Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mardi 12 janvier de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Vous connaissez bien le principe de cette édition qui est ancrée dans vos mémoires depuis le 16 mars 2020. Tout au long de cette édition, nous allons continuer à décrypter l'actualité. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. D'ailleurs, au cours de cette édition, nous aurons la revue de presse et sans oublier notre débat. Et d'ailleurs, la thématique du débat de ce mardi, chantage vaccinal, interdiction des réseaux sociaux, au voyage et autres exclusions sociales, faut-il se soumettre pour survivre? En tout cas, nous allons en parler, ce sera notre grande interrogation lors du débat. Mais puisque nous sommes un mardi, nous allons vous souhaiter bon réveil à toutes et à tous, OTEP à l'Afrique, OTEP au monde et bienvenue à cette deuxième édition du JAR de DBS Matin de la semaine. Messieurs, mes deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Jackson Dior, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé particulièrement. Particulièrement ceux qui nous regardent depuis Yaoundé. On va pas également oublier que là-bas vous avez pas mal de personnes. Oui, c'est bien cela. Ça fait du bien, j'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien. Vous avez bien dormi? Bien dormi, oui. Même si ça ne se voit pas, hein, que vous avez bien dormi. Ah non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Ben si, ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas de souci. Tant mieux pour vous. Bienvenue en tout cas sur ce plateau ce matin. Merci bien. Marguerite Benachous, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers for this second day of the week. Of the week, actually. And Steve, when I came into the studio, I followed the song that was going on by Grass Dekka, Jana Beno, that is the title. Actually, and it provoked in me, this, those who dedicate themselves to sing, I'm talking of choir members. That is why I want to use this opportunity, Steve, with your permission, to greet members of choirs. Yes, members of St. Francis and so choir here in Holy Mary's Chapel in Motocross here in Douala, Steve. Oui, il faut leur dire que tu étais séminariste. Oui, ben, tout le monde le sait qu'il a été séminariste. Ah, that is the fact. But the point here is, because I'm a member of that choir, that's why it provoked, at least I had to... Avez-vous déjà entendu parler du Soweton Gospel Choir? Of course, of course. Très belle musique d'ailleurs, I always follow them, and the Black Mambozas. Soweton Gospel Choir, c'est extraordinaire. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'une de leurs chansons, vous allez être vraiment ébloui. How's it? Steve, we thank God we are doing fine this morning. Very fine? Not very fine, but we are doing fine. Okay. It's a pleasure to have you this morning. Thank you, Steve. The pleasure is mine to be there. Ok, messieurs, nous sommes là pour la revue de presse. C'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. La première partie en langue anglaise avec Mange Venatius. For this second day of the week, Tuesday, January the 12th, 2021, we begin press review with the Guardian Post newspaper on page 3 telling us about fresh carnage in Moyuka in the southwest region of Cameroon. The paper reports that military raid leaves women and children dead, but army spokesperson says the gruesome images of supposed massacre is faked by separatist proponents. Though it remains unclear who shot the women and children, reports from the ground say soldiers raided the village not far from Boya in search of separatist fighters. In another sad story, the paper on page 10 talks about a 15-year-old boy in Bamenda who is alleged to have killed his father and dumped the corpse in a well. The horror is reported to have taken place at Mile 2 neighborhood in the city of Bamenda.
Then on page 4, the paper informs us that Minat boss takes bias relief to Chinese refugees fleeing Central African Republic violence. The Post newspaper also opens with the Mauto Moyuka bloodshed on page 2, saying men in military attire killed 9 persons and injured many. According to narrations by locals, government troops pulled into the village in the early hours of the afternoon on Sunday, January 10, 2021, reportedly in search of separatist fighters assumed to be living among the villagers. Still on page 2, on the effect of the ongoing crisis in the northwest region, the paper tells us that the construction of Kumbu Nkambe Road to gob over 300 billion francs CFA from the 2021 public investment budget. Then on page 2 of the paper says, government has failed to address Kameko's main problems again. And in Bamenda, in the northwest region, we read on page 2 that separatists rejoice as Bamenda 3 divisional officer reinforces ghost towns on Mondays. The Voice newspaper on page 3 looks at the unfortunate escalation of violence, cruel, savage, and heartless killings that ushers in the new year, calling for an end of the war now. The paper prays that the hearts of belligerents be touched so that the war should come to an end. They're still talking about peace. The paper takes the views of the new CBC executive president, who tells Northwest Governor that peace speaks loudest from dialogue, not gunfire. We take Afrique Environnement ahead of Shan 2020, telling us that Kecha Kutes cleans Yaoundé. A few days to the kickoff of the competition, the Minister of Urban Development and Housing carried out an inspection tour around the capital city to be assured that the city is being cleaned and decorated, especially access to various hotels, stadia, as well as towards a touristic and leisure site in the capital city. Le Jour newspaper capitalizes in the economic capital Douala, telling us that there are more than 200 families that have been demolished and are out in the streets following demolition exercise that took place last Saturday at the airport neighborhood here in the capital city of the economic capital in Douala. Out of Cameroon, we go to East Africa with the Herald newspaper in Zimbabwe that reports that acting president Kembo Mohodi has said youth in Zimbabwe must emulate the gallantry and dedication exhibited by the national hero, Brigadier General Colin Moyo, who gave his all for the country and sadly passed on last Friday when the country had started a new war towards economic development. The paper tells us that he was speaking to the family of the deceased yesterday in Harare. In Next Door Nigeria, the Vanguard newspaper reports that experts in the construction industry have accused members of Lagos State House of Assembly of breaking the law, saying it is wrong for them to create a new bill to regulate real estate operation in the state. In South Africa, the Southern Life newspaper tells us that the number of non-active COVID-19 cases in South Africa has climbed close to 250,000, as Health Ministry statistics released on Monday revealed. Then out of Africa, in Britain, the Times newspaper tells us that the police has vowed to find the lockdown refuse neck, as Metro chief condemned preposterous behavior at the time the country is fighting the spread of the second wave of the COVID-19 pandemic in Britain. And the Daily Telegraph newspaper, on their part, tells us that there is pressure on the NHS for COVID vaccination round the clock as the virus gains ground in Britain. We have that story in today's edition of Daily Telegraph newspaper in Britain. Steve, these are some of the information that we could have for the papers we could lay hands on home and abroad this morning.
Nous allons retenir d'ailleurs la grande une de deux journaux et quotidiens de langue anglaise. Ce matin, d'ailleurs, The Post nous dit « Effusion de sang à Moto Muyuka. Des hommes en tenue militaire tuent 9 personnes et en blessent plusieurs. » C'est l'information la grande une de The Post d'ailleurs dans son édition de ce mardi. On va également retenir la grande une de The Guardian, Post qui signe pour sa part « Carnage frais à Muyuka. Eh bien, raid militaire laisse des femmes et des enfants morts. » Ces informations sont à lire en tout cas dans ces journaux et quotidiens. Et The Voice nous faisait savoir d'ailleurs ce matin qu'il faut justement arrêter la guerre, en finir avec la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. En tout cas, nous allons y revenir dans un instant. Le temps pour nous de prendre les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Commençons par le quotidien Le Jour qui parlait de plus de 200 familles dans la rue Simema Douala. En tout cas, les bulldozers ont détruit maisons d'habitation, commerces et mosquées dans cette zone située près de l'aéroport samedi. C'était 9 janvier dernier. Et puis, en page 6 du même journal, 1600 transporteurs centrafricains bloqués à Garoua-Boulaye. Le quotidien Le Messager reprend les paroles de Sa Majesté Jean Rameau Sokoundjo. Paul Biya a abandonné son peuple. Interrogé sur le conflit sanglant en zone anglophone et le processus démocratique au Cameroun, le chef supérieur Bamendjo fait donc le procès du parti au pouvoir. Le journal Kalara du monde juridico-judiciaire évoque l'université de Douala. Là-bas, un agrégé de médecine confiné au grade de chargé de cours, reçu au concours français d'agrégation en cardiologie, le docteur Aimé Mbouni Mbouni, privé donc d'une promotion au grade de professeur. Le juge administratif se dit impuissant devant cette situation. L'avocat du médecin crie au règlement de compte contre un praticien réputé, critique contre le régime de Yaoundé. Le journal Le Point hebdo présente JBA Joseph Bétia Sommo comme altruiste depuis sa nomination en 2015 au poste de ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Il a donc imprimé sa marque à ce corps de métier jugé difficile par son travail et sa loyauté vis-à-vis des institutions ainsi que les personnes qui les incarnent. Le quotidien Mutation lui parle de contre-coup de canon à Garoua-Boulaye. En tout cas, le journal fait un reportage à la frontière Cameroun-Centrafrique en temps de guerre chez les voisins. Le journal Afrique Environnement indique que Kétia Courtès nettoie Yaoundé à quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des nations de football. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a donc effectué un tour en ville afin de se rassurer du nettoyage et de l'embellissement des voies d'accès aux hôtels. Le journal Le Quotidien nous parle également du CHAN 2021 au Cameroun avec le rassurant dispositif sécuritaire et sanitaire des aéroports du Cameroun. Le ministre des Transports Ernest Masséna Ngaleb Ibehe était donc en visite de travail depuis hier lundi à Douala pour les derniers réglages à l'aéroport international de Douala. Le quotidien Réalité Plus titre au front pour Paul Biya. Il faut des tenues et des chaussures spéciales à Paul à Tangandi. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui parlent donc de Congo. RDC Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso qui échangent sur l'Afrique centrale en visite donc de travail à Oyo, village natal du chef de l'État congolais. Le président de la République démocratique du Congo a donc évoqué avec son homologue des questions d'actualité dans la sous-région d'Afrique centrale. On termine avec la France, le journal Le Figaro qui titre « Islamisme, les enseignants contraints à l'autocensure près de 3 mois après l'attentat islamiste qui a coûté la vie à Samuel Paty. Le poison justement de la peine continue justement de se diffuser dans les rangs d'enseignants, souvent bien seuls sur le front de la laïcité. » Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Hollande sous pression de sa gauche pour les primaires. Bon, peut-être qu'il pourra revenir à la tête de l'État, qui sait. Parce que pour l'heure, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, ils sont nombreux les Français qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Peut-être que, on va le dire comme ça, François Hollande pourra revenir. Mais bon, on n'est pas français, on s'en fiche. Mais en tout cas, blanc, bonnet, blanc. Oh, bah, vous savez, on prend les mêmes et on recommence.
Messieurs, revenons justement avec les grandes lignes des journaux et quotidiens ce matin. Prenons le cas avec deux postes qui nous parlent d'une effusion de sang à Moto Muyuka. Des hommes en tenue militaire qui ont tué 9 personnes et qui ont blessé plusieurs. Steve, 2021 appears to be just from the early days. We are just about close to 2 weeks into the new year and we have already counting more than 30 people who have died. You know, we started with the case in Bamenda, the case in Far North, now the case in Muyuka. We are not talking about accident. 2021 appears to be, you know, a year that may be a bit, if we are not careful. Look at the way the crisis is evolving. The Post newspaper, just like other newspapers, are telling us of the incident in Muyuka last Sunday, where more than 9 people were killed. And information from the ground says men in military attire appears. Although the military spokesperson, like the Guardian Post says, is saying that the images circulating on social media have been, you know, edited by separatist proponent. The information that is that we have from those on the ground says military vehicle, military truck zoomed into the village in the early hours of Sunday afternoon, searching for an amber fighter by name General Gabonese, who is said to have been hiding in Maoto village. Maoto village is just near Boya. Mais ce général Gabonais a été mis hors d'état de nuire. Well, according to information that we don't know whether he was killed among those who were killed or those who were killed so fast because they were looking for General Gabonais. Because the information we are having, they are talking of women and children. That's what papers are talking of this morning. And because I think that if the general was killed, remember when General ils sont quand même deux généraux qui ont été, il faut le dire comme ça, tués hein, au cours justement de ce raid. On ne va pas toujours dire qu'il y a des hommes et des femmes sans jamais des enfants. Killed. Voilà. Actually, no, but what I'm saying here is, remember when General Ayeke was killed, the military exposed it clearly because that was the target they were looking for. I think if this General Gabonese was also caught, I don't think that it would have been something hidden. We would have had it open. So I think that maybe in the course of searching for General Gabonese, they did not succeed in having him and the population suffered. Because in that case, like the Voice newspaper is saying, Steve, I think that it's high time we start looking at the consequences of the end of war. Yes. The consequences of this war, I think that they are surpassing the goal. We are suffering the casualties are becoming more than the goal we are looking for. I think there's high time if we have tried this other means and we are not succeeding, let us try the other option. Because you don't solve a problem from one side. You can think that this is the method I would handle this problem and you try the method and the method is not surviving. We are already going into the 5th year of this crisis and there is no headway. So I think that it's high time those concerned, like the Voice newspaper is saying, that the hearts of the belligerents be touched. I think that's high time we start looking at other options in handling this crisis. On a suivi également à Jackson Diop le 31 décembre dernier le discours du chef de l'État à la nation camerounaise, faisant comprendre que, eh bien, les nations amies qui détiennent encore ces personnes qui aujourd'hui encore hein, financent et subventionnent ces Amba Boys puissent être arrêtés et remis justement à la justice camerounaise. Oui, absolument. Et ce n'est que ça que le chef de l'État parle tout le temps. Et d'abord, il a demandé aux Amba Boys de déposer les armes. Ensuite, il a demandé aux Nations Unies. Je peux déjà vous dire qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se faire dans ce sens. Oui. Et je pense que nous serons encore dans ce studio où vous allez entendre des gens dire qu'il faut libérer ces gens-là qui ont organisé des tueries comme celles que nous voyons au Cameroun. Je m'en tiens à ce que mon confrère était en train de dire tout à l'heure, parce que hier j'ai suivi justement le communiqué du ministère de la Défense, parce que la vidéo est déjà virale dans les réseaux sociaux où on dit que ce sont les militaires qui ont tué, qui ont fait le carnage. Non, on ne peut pas également oublier que ce sont des séparatistes, enfin, voilà. Donc, justement, c'était pour, oui, c'était justement pour essayer de dire à l'opinion publique nationale et internationale que, justement, faire une sortie et expliquer que ce ne sont pas les militaires camerounais, en tout cas si je m'en tiens au communiqué du ministère de la Défense. Donc il faut faire très attention parce que quand on voit depuis un certain moment, c'est depuis janvier, parce que simplement ils veulent provoquer de la peur. Vous savez que le Cameroun veut organiser un grand événement et là c'est la peur que les gens sont en train de distiller et tout ça, on connaît ce qu'ils veulent faire. Et donc, en réalité, c'est de ça qu'il est question et aussi
comme d'habitude, essayer de vilipender l'armée camerounaise pour montrer que... Il y a quand même un autre problème qui se pose actuellement. Et tout à l'heure, nous allons en parler justement de ce chantage vaccinal et sans oublier le chantage d'interdiction aux réseaux sociaux, voyages et autres, exclusion sociale. Nous en parlerons tout à l'heure dans le cadre du débat. On ne va pas également oublier que lorsqu'il s'agit justement de ces personnes qui agitent, il faut le dire comme ça, le séparatisme dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est de bon ton. On les montre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils font leur propagande, ils disent ce qu'ils veulent. Et là, en ce moment-là, même les noms, Facebook Steve, prend l'initiative de ne pas allow them to continue. On leur donne l'opportunité de continuer à faire leur sale besogne. Ça ne dit rien à personne. Mais quand vous dites, par exemple, que la France a été annexée par Hitler et qu'il a souffert et que la France a souffert et que c'est les Camerounais et sans oublier les Africains qui sont venus libérer la France, tout de suite, vous êtes suspendu. Oui, mais ce sont ces gens-là qui contrôlent tous ces instruments. Nous le savons. C'est-à-dire, on ne doit jamais rien dire contre la France. C'est ça, c'est la manipulation de la France. On connaît. Et vous savez, je parlais tout à l'heure, ou je crois que c'était la semaine dernière, où, ce qui s'est passé, c'est-à-dire, on a désactivé les comptes du président Trump. Un président en exercice. Un président en exercice. Oui, c'est du jamais vu. Et c'est ça qu'on appelle un pays de la démocratie. Ah ouais, c'est faut leur dire à eux. C'est ça qu'on appelle un pays de la démocratie. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer librement, on dit OK. Tout simplement parce que 74 on veut camoufler, millions d'électeurs, voilà, on veut camoufler un certain nombre de choses. Voilà. Il faut que les gens se réveillent pour constater que, évidemment, ce n'est pas ce qu'on nous dit toujours. C'est pas ce qu'on nous dit toujours que les autres qui sont en face font. Donc, c'est souvent. Moi, je reviens justement sur cette information. Hein. On voit souvent sur les réseaux sociaux ces personnes, ces embaboches, même on parle souvent de la base et tout, ces amis, enfin, que vous connaissez d'ailleurs, quand ils se lèvent le matin, il faut tuer Paul Biya, il faut tuer telle personne, vraiment Paul Biya est mort, et il faut que nous descendions. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple. C'est comment on appelle que... cette dame qui demandait que les enfants n'aillent pas à l'école. Voilà. Si les enfants vont à l'école, il faut les tuer et tout ça. On laisse passer ça sur les réseaux sociaux. Je vous disais donc que cette suspension est à tête chercheuse. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du président Trump. Pourquoi on ne suspend pas les autres? C'est à tête chercheuse. C'est quand même assez amusant. Actually, there's a point of concern that we need to raise here because when you ask the question, that's the only means that most of the separatists have to communicate through social social media. And if through social media, there is a policy that they have to, you know, curtail or suspend hate speech. We've had hate speech on a daily basis and nobody is saying anything. And when you take, like, you know, at the beginning you said the head of state called on friendly countries to collaborate with Cameroon to make sure that they try to see how they can bring them to order. How can we collaborate with people who do not even see anything wrong in what they are doing? Because according to them, there's nothing wrong. That's why they leave them to say what they want to say. That's why we leave et them. Et ils ne le disent pas sur le sol camerounais. Ils le disent de l'autre côté. Of course. Là où ils sont assis, ils sont d'ailleurs dans les salons feutrés des hôtels. Ils font ce qu'ils veulent. Eh ben, ils peuvent agiter le séparatisme, faire tuer des gens tous les jours que Dieu crée. Eh bien, on ne les suspend pas, on ne les arrête pas, on ne les inquiète pas. La justice de ces pays-là ne dit absolument rien. Elle est muette. Pourtant, on nous a appris une chose à l'école, que la justice était aveugle et sourde, mais n'était pas muette. Absolument. Autre chose, c'est que ce sont des pays qui luttent contre le terrorisme. Parce que ces gens-là sont des terroristes. Ceux qui demandent qu'on exécute les enfants au Cameroun, ce sont des terroristes. Or, ces pays-là disent être lutter contre le terroriste. Lutter contre le terroriste. Et on ne comprend donc pas. Bon, vous luttez contre quel terroriste? Moi, j'ai besoin de savoir. Well, maybe terrorism is once it touches their interest. If it does not touch their interest, puisque c'est eux-mêmes qui créent le terrorisme. That's it. If it does not touch their interest, then that is an internal affair. You people can handle it. But if it touches, Steve, you know that if you touch an American here, then that's when you one American. That's when you understand the force of America. But you people can fight and die as much as you are dying. It does not make any sense to them. Et dire que nous sommes justement on va nous dire le pays des libertés, le pays des droits de l'homme. C'est la France qui déclare qu'elle est le pays des droits de l'homme, c'est ça? Oui, des libertés. Des libertés. C'est pour ça que quelqu'un peut se lever, décider, et puis dire au nom de la liberté, on peut faire tout ce qu'on veut en France. Messieurs, revenons également avec la grande une de Le Jour ce matin qui nous apprend qu'ici à Douala même, il y a plus de 200 familles qui sont dans la rue.
Oui, il se trouve que c'est depuis samedi dernier que on a décidé justement de déguerpir ceux qui sont aux abords de l'aéroport international de Douala. Vous savez que c'est depuis des années qu'on parle. C'est des décennies, ne dites pas des années. Oui, quand des décennies. Je veux dire que c'est depuis longtemps qu'on parle. Je vais vous raconter une histoire d'ailleurs concernant justement ces cas-là. Moi, je me rappelle de ce que, quand nous étions petits, nous sommes là en 1988. On allait justement autour de l'aéroport, on ramassait les poussins. Il y avait une compagnie aérienne à l'époque qu'on appelait UTA. Et parfois, elle revenait avec des poussins dans des cartons, parfois elle les jetait, les bouteilles et tout ce qui allait avec. On y allait. C'était vide. C'était entièrement vide. Et d'ailleurs, jusqu'à l'ancien aéroport, l'ancienne piste. À l'ancienne piste même, on allait faire du sport là-bas tous les jours. Mais rappelez-vous d'ailleurs que depuis un bon bout de temps, ça fait peut-être 2 ou 3 ans aujourd'hui, on a fermé tous les contours. Mm-hmm. Et à cette époque, on appelait là-bas Petit Village, derrière l'aéroport. On appelait là-bas Petit Village, mais il était interdit d'y construire parce que je me rappelle de ce que, il y avait un autre combi. On avait un grand avion qu'on appelait le combi. Mm-hmm. Lorsqu'il atterrissait ou alors décollait, ça faisait un bruit assourdissant. Et déjà, les populations qui étaient là, certaines maisons, parfois tombaient juste au bruit de cet avion, surtout les maisons qui étaient faites en matériaux provisoires. Mais aujourd'hui, lorsqu'on les casse, tout le monde se plaint. Steve, when I listened to the, because I had the opportunity to visit the site, oui. And I listened to some of the victims, I call them victims, those who suffered the demolition exercise, there is one blockhead quarter leader who expressed, he said something, and I was asking myself, Steve, in most of these areas, you find that the administration is installing what they call quarter heads, blockheads, all of them are being installed by the divisional officer. Where is the divisional officer installing this quarter heads and all these chefferies and all this chef de bloc? Where are they being installed? I think that if they have to install it, once they are installing them there, it means the authorities recognize that they are living there. Because that should be tout ce territoire appartient à l'aéroport. Hein. Of course, ne vous tordez pas l'esprit. Il y avait une barrière, on l'appelait la barrière verte. Yes. Je vous dis, elle commençait en Ganguet. Yes. Je ne sais pas si vous m'entendez très exactly. bien. Elle commençait en Ganguet. Il y avait une gendarmerie même là-bas de l'autre côté. Yes. Et je vous dis, c'est une longue barrière jusqu'à ce que vous arriviez ici à, comment on appelle, à Saint-Michel. Yes. Vous comprenez ça? Yes. Tout yes. ce territoire appartient à l'aéroport. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens sont au courant que ça appartient à l'aéroport. It's true, Steve. The town is growing. The town can never remain like that. Even in developed countries, you cannot have an airport that would occupy all this land. It's true. But my worry is, once the area is an area that is not habitable, that the population is not supposed to settle on, and they settle on, you know. Mais prennent quand même l'initiative d'y habiter. Qui leur donne d'ailleurs le droit d'y habiter? That is my point. Qui leur vend les Because terrains? Because you find the divisional officer, oui. the SDO, you know, appointing chef de bloc, appointing quarter heads there. They are appointing quarter heads in which area? Because that is another way of, you know, giving them the impression that no, it is free. We are free. Je vous dis une chose simple. La dernière fois que nous y avons mis les pieds, je pense que on était avec quelques-uns de nos confrères ici. La barrière verte qui existait de ce côté-là avait disparu. Yes. Oui, avait disparu carrément. Oui, absolument. C'est pour dire que il parlait tout à l'heure de ce qui leur donne le droit de construire, même. Non, il se trouve que si c'est un terrain de l'aéroport, on ne peut pas vous donner le droit, sauf le chef de quartier. Parce que c'est le problème aussi, ce sont les chefs de quartier qui donnent généralement... Qui vendent les terrains les chefs de village. Les chefs de village. Oui. Donc c'est un problème, le chef de village. Parce qu'on ne peut pas vous donner, vous ne pouvez avoir un titre d'un terrain qui est pour l'aéroport international de Douala. Ce n'est pas possible. Donc il se trouve que c'est justement quelque chose qui est entre les populations et les chefs de village. Maintenant, comment on fait? Il y a autre chose. Ça, c'est la grande interrogation. Comment maintenant, il faut venir justement en aide. Je vais dire quand même que toutes ces personnes sont des Camerounais. Oui, je voulais ajouter que Steve, parce qu'on disait tout à l'heure que c'est depuis des décennies. Il faut savoir que gouverner, c'est aussi anticiper. C'est-à-dire interdire aux gens de ne pas construire. Maintenant, si les gens construisent, ce qu'on doit faire, c'est depuis qu'on parle, mais on pouvait leur trouver une zone de recasement. C'est aussi ça. Mais on ne peut pas. C'est vrai que c'est interdit. C'est un territoire vert. C'est interdit. Mais en même temps, ce sont les Camerounais. Pour la sécurité même. Hein, il faut dire voilà, pour leur sécurité. Pour la sécurité leur même sécurité. Des populations. Je vais vous dire par exemple, vous avez vu l'accident de, je pense, de 2007. Je pense en Bangapongo. Bangapongo, oui. Admettant est une admission que ça tombait là. Et d'ailleurs même, je veux vous rappeler que dans les années 80, il y a d'ailleurs un accident
aux alentours justement de ces maisons. One of Kame airplane on taking off had to land on those mangroves after the airport. Il y avait même d'ailleurs un lac là-bas à l'époque, of course, qui servait justement au cas où il devait avoir un problème comme celui-là, on pouvait justement plonger à l'intérieur. Même ce lac a disparu. Of course, it's already. Je vous parle d'une zone que je connais super bien. J'y ai grandi. Ils ont dit Quata, il faut Quata, il faut village. Ils ont remblé bon. Le lac. Bon, le lac n'existe plus. Alors, allez savoir ce qui se passe d'ailleurs de ce côté-là. Monsieur, émergence d'Odichamps 2021, la sécurité préoccupe encore aujourd'hui. Oui, je crois qu'il ne faut pas aussi créer un environnement de soupçons inutiles. C'est vrai que la sécurité est quand même du côté du nord-ouest, du sud-ouest, parce que c'est là-bas le champ se joue au sud-ouest, du côté à Limbé. À Limbé, yes. C'est un peu précaire quand même de ce côté. Avec plus que quelques jours. Plus que quelques jours. Mais c'est pas une raison. Quand même le 12, c'est pas une raison, bon, ce n'est pas une raison pour 4 dire. Jours. Oui, c'est pas une raison pour dire que. C'est vrai, il y a des tueries du coup. Côté de Mouyouka, tout autour de la ville de Limbé qui va accueillir justement les étrangers. Mais je crois que ayant justement une grande compétition ou organisant une grande compétition comme celle du CHAN, il faut que... Il y a également un autre problème qui va se poser, hein, Jackson Dior, vous qui êtes dans le sport, je voudrais bien sûr vous poser la question parce qu'il y a quelqu'un qui me posait la question hier, la vente des billets, on les achète tous les billets parce qu'il y a, ils sont nombreux d'ailleurs les Camerounais qui veulent aller visiter. Ça a démarré depuis hier, lundi. Oui, mais je veux savoir où, parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Moi, il y a des gens qui m'écrivent tous les matins, les ventes des billets, c'est où, on fait comment pour participer au match et tout ça. Oui, il se trouve que même si vous n'avez pas le billet maintenant, ça veut dire que si on n'a pas, parce que moi-même je ne maîtrise pas là où on vend les billets, mais vous pouvez vous rendre le jour du match et puis on peut vous vendre le billet. Il y a il y a justement, on sait que dans tel endroit. J'espère que ça va pas coûter cher. Non, il y a c'est relativement. Relativement, c'est combien? Non, je vais dire que il y a des couloirs de 1000 francs, il y a des couloirs de 1500, il y a des couloirs de 3000, il y a 40 000, il y a 50 000. Donc, vous venez de dire que vous voyez quand même que c'est pas relatif. Oui, mais je veux dire que s'il y a quand même un endroits, billet de 50 000. S'il y a des couloirs, mais c'est un couloir présidentiel. S'il y a certains couloirs qui coûtent 1000 francs, compliqué, hein. 1500, ça veut dire que c'est accessible. Ils à sont tout nombreux, le monde. Les Camerounais, qui veulent quand même faire visiter ces stades à leurs enfants. Oui, absolument. Et ils veulent justement amener leurs enfants. À une époque, les enfants, c'était gratuit. Oui, c'était gratuit, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire cette fois. Et puis, il faut aussi Non, il faut le dire au monde entier. Moi, je me rappelle, on était tout petits, nos parents nous amenaient au stade Omnisport. C'était gratuit. Oui, ça peut être gratuit, mais les époques ont quand même aussi changé. Ça, je ne peux pas l'affirmer ici. Mais je crois que les enfants d'un certain âge ne peuvent pas payer. Les enfants peut-être de 5 ans ne peuvent pas payer. Ça, je ne peux rien affirmer, mais je le pense aussi. With the crisis, the health crisis that we have, I think it will be prudent not to attempt to take children to the start this time. I think it would want to spare their lives. Let us keep them. And after the competition, you know, I believe that this starts, especially for perhaps Japoma that we have here in Douala. Once the competition will be over, I think that will be opened. Je vous poserai justement une question. Hein. Est-ce que le stade a déjà été inauguré, le stade de Japoma? As of officially, I don't think so, Steve. There were some information circulating on social media that it may be inaugurated. Any day, la compétition va se jouer quand même dans ce stade. Pourtant, il n'a pas été inauguré. Any day, it may be inaugurated, Steve. There is no official information stating us when it will be. But we think that, you know, inaugurating it, it may be any of these days before this. We still have 4 more days and anything can happen within the 4 days, Steve. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse bien animée d'ailleurs et bien commentée. Plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Thank you, Steve. Passez une bonne journée. Same to you. Have a nice day. Same to you. Passez une bonne journée. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons entrer dans le débat. Je vous ai dit dès à l'entente de cette édition de Libye ce matin, le sujet qui nous intéresse. Chantage vaccinal, interdiction aux réseaux sociaux, aux voyages et autres exclusions sociales. Faut-il se soumettre pour survivre? C'est notre grande interrogation. Mes invités sont déjà là, ils commencent à arriver. Chantage vaccinal, interdiction aux réseaux sociaux, aux voyages et autres exclusions sociales. Faut-il se soumettre pour survivre? En attendant d'ailleurs de recevoir d'autres invités qui vont arriver, de manque d'ailleurs à l'appel, nous allons commencer. Paul est là, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes autres panélistes que vous allez présenter. Bonjour à tous ceux qui nous regardent par le monde et que le débat commence. Et que le débat commence, en tout cas, merci d'être là ce matin. À ma gauche, Président Barakani, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gauss, un bonjour spécial à mon ami
compagnon de combat est là. Je suis très content une fois de plus d'être avec lui ce matin. Je salue les techniciens, les journalistes, depuis le planton de la porte qui nous reçoit, qui ouvre les portes là-bas. C'est un travail merveilleux. Oui. Parce que si nous ouvrons pas la porte, nous ne pourrons pas entrer normalement. C'est un travail. Je leur fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil à tous les techniciens, à tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à cette grande chaîne, chaîne de travail, chaîne de tâches, qui permet que le matin, nous soyons à notre poste. Et puis j'ai un regard particulier pour Standby. C'est vrai que... Elle est là. Voilà, Standby, qui nous rappelle toujours, alors pour qu'on n'oublie pas, qu'on ne s'oublie pas. Bon, je voudrais ce matin, puisque le propriétaire de tous les dossiers... Oh, il n'est pas là ce matin. Il a dû voyager d'ailleurs ce matin. Je vais essayer de remplacer. Ce n'est pas un coup de gueule. Hein. Il y a quelque chose qui m'amuse. Je suis amusé par la tendance des soi-disant démocrates africains. Et Camerounais en particulier, qui titre dans les journaux que Biden vient chasser Paul Biya. Ça fait pitié. Hein. C'est-à-dire et dans ce que Biden, trembler les dictateurs du monde, trembler. Est ridicule. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que les dictateurs sont mieux. Si vous qualifiez Biden de dictateur, c'est-à-dire que vous ne savez même pas le presse que vous parlez. C'est un déréglé mental complètement, c'est même pas un dictateur. Parce qu'un dictateur peut m'envoyer un peu du sens et une certaine cohérence dans ce qu'il fait. Mais M. Joe Biden, c'est un mental, il est complètement déréglé. Donc ils disent qu'il va venir chasser les dictateurs en Afrique, en particulier Paul Biya. Alors moi je voudrais dire certaines choses, rappeler certaines choses. Sarkozy a rêvé de déstabiliser le Cameroun. Il a été déstabilisé. Il est dans le trou qu'il méritait à l'heure actuelle, en prison. C'est là où il devait finir. C'est minable, là. Nicolas Sarkozy. Monsieur Hollande, petit Tintin, a dit qu'il va s'établir au Cameroun avec Boko Haram. Il est venu se mettre à genoux à Yaoundé pour prendre les soldats qu'on avait arrêtés. Et on lui a dit que ne Dieu pas au pouvoir qui veut. Mais qui peut. Voilà. On l'a démontré. Il était, c'est-à-dire, il était tout petit, François Hollande. Alors, moi, j'aurais même souhaité. J'aurais même souhaité que M. Biden assiste dans la Maison Blanche. Mais je pense que tout le monde commence à être informé de ce que se prépare aux États-Unis. Même vos médias mainstream commencent à dire que cette transition-là. Ce serait très compliqué. C'est compliqué. Oui. C'est vos médias mainstream. Mais ils ne nous informent pas, nous, on sait ça. Même j'aurais même souhaité que ce monsieur-là entre même là-bas. Et comme ça qu'il affronte le Cameroun. Nous leur avons donné une correction. Nous, on devait donner une correction. Parce que les Camerounais ne connaissent pas le Cameroun. Depuis 10 ans, moi, je le dis, chaque pays du monde qui va s'attaquer au Cameroun sera détruit. Ça fait 10 ans que moi, je le dis. Tu le sais, non? Ça fait 10 ans que je le dis. Je dis que chaque pays du monde qui va s'attaquer au Cameroun, et j'ai toujours dit que toutes les puissances du monde réunies ne peuvent pas déstabiliser le Cameroun. Moi, je dis ça depuis 10 ans. Donc, les rêveries là, de croire que M. Biden et les démocrates peuvent déstabiliser le Cameroun, ils ne peuvent pas. Ce sont ceux qui sont derrière la crise anglophone. Ils n'ont pas réussi. Ça ne réussit pas. Depuis, ce sont les démocrates américains qui sont derrière la crise anglophone. C'est dit, c'est démontré, les éléments sont là. Est-ce qu'on est debout? Le Cameroun est debout. L'armée du Cameroun est debout. Les patriotes camerounais sont debout. Et tous les défis qui vont se présenter devant le Cameroun, nous allons relever ça. Ce n'est pas une affaire du président Biya, nous allons relever ça. Donc moi je vois les tendances, je vois les gens écrire, ils dansent. Monsieur Biden traîne tellement de casseroles. Les démocrates américains traînent tellement de casseroles. L'État profond traîne tellement de casseroles. Alors on parle, les informations qui étaient dans le portable de Mme Pelosi, qui occupe quand même la présidence de la Chambre, base dominée par les démocrates, c'est la présidente, M. Gauss. Elle n'arrive même pas à sécuriser son ordinateur portable. Vous vous rendez compte? À quel niveau ces gens sont légers? Le bruit qu'ils font? Les informations sont dehors. Sont déjà dehors. Avec tous les plans, tout ce qu'elle écrivait en nous, tous les plans sont dehors. Et les gens lisent ça. Ils continuent à appeler des pareils gens qui complotent contre leur pays, qui font des coups d'État, qui planifient le coup d'État depuis des années. Ils continuent à les appeler démocrates. Et ils disent qu'ils luttent à la fois pour la démocratie. Et ils osent soutenir des poutistes déréglés mentalement, comme les démocrates.
Allez lire les informations qui commencent depuis hier. Du portable de Madame Pelosi. J'espère seulement qu'ils ont ces informations. Vous savez que parfois ces personnes même ne sont pas informées. C'est sur Internet, c'est même pas caché. Mais ils font la politique de l'autruche, ils évitent, ils effacent et ils fantasment sur ce soi-disant démocratie. Et ils disent qu'ils sont démocrates. J'ai appris une chose, M. Mbos. Depuis que M. Macron est président de la France, depuis que nous voyons, depuis que l'élection américaine est arrivée à son paroxysme, depuis qu'on observe un certain bon de choses, j'ai compris que le président Biya, c'est un grand démocrate. Je dis, regardez comment il gère le Covid. Regardez comment on gère ailleurs. Regardez les donneurs de leçons en termes de liberté d'expression. Regardez Zuckerberg, regardez les GAFA. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'alors on part aux États-Unis, on va jusqu'à traquer. C'est-à-dire qu'ils ont donné des consignes que tous ceux qui ont été avec Trump doivent être chassés des entreprises qui leur appartiennent. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils doivent être chassés des entreprises. On les chasse jusqu'au niveau des dons. On a dit que. C'est-à-dire que même les dons sont colorés désormais. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire un don à un proche, à quelqu'un qui tourne autour de Donald Trump. Les dons politiques qu'on fait aux États-Unis, ils traquent ça, c'est interdit. Ça veut dire que les circuits financiers sur lesquels ces dons sont censés transiter, on te bloque. On bloque ça. Parce qu'on a soupçonné que tu es à côté de Trump. Regardez la censure. Regardez à quel niveau les médias sont contrôlés. Madame Pelosi, dans ce qui est sorti, les documents qui sortent, elle dit ouvertement que tous les médias américains du monde sont ses marches, sont ses. Comment on dit ça? Son caleçon de rechange. C'est écrit, monsieur Ngoz. Dans les conversations qu'elle a avec quelqu'un, le monsieur dit que, mais par rapport à telle chose-là, vraiment, les médias. Il dit que, mais reste tranquille, les médias nous appartiennent. Les médias vont vous aider au moins 5 fois dans le document. Et ces gens les appellent démocrates. Et ça aurait été dans un. Dites-moi le pays africain où vous voyez de telles pratiques. Même quand on l'appelle le pays bananier. Et sans oublier qu'on parle également des dictateurs. Mais je vous dis, c'est-à-dire que vous voyez ça où? Vous voyez ça où? Je vous dis ça. Ça va les choquer. Mais je parle de faits, M. Ngoz. Les faits démontrent que si on prend le cas du Cameroun, c'est une grande démocratie. Comparé à l'Amérique, comparé à la France, comparé à tous ces pays-là. Au point où, M. Ngoz, même l'Angela Merkel, ils disent que non, vous allez trop loin. Et alors que ceux qui sont derrière, mais la honte, comme elle, parce qu'à ce niveau, vous allez jusqu'à. C'est trop, par honte. Nous allons en parler même Bruno au cours de cette édition. De l'économie dit que non. C'est trop. Or, ils sont dans le complot. Tellement c'est grossier qu'ils en ont honte. Mais les démocrates africains, eux, ils n'ont pas honte. Même plus que ceux qui ont honte de ce qu'ils font, eux, ils n'ont pas honte. C'est quand même terrible. Merci, monsieur, d'être là ce matin en attendant justement de nos invités, Edmond Kouaté, sans oublier Simon D qui doivent nous rejoindre, en espérant d'ailleurs qu'ils seront là ce matin. Le sujet qui nous intéresse, chantage vaccinal, interdiction aux réseaux sociaux, au voyage et autres exclusions sociales, faut-il se soumettre pour survivre? Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Chantage vaccinal, interdiction aux réseaux sociaux, aux voyages et autres exclusions sociales. Faut-il se soumettre pour survivre? Ce sera justement notre grande interrogation ce mardi 12 janvier de l'an de grâce 2021. La Russie ouvre donc la voie au blocage de Facebook ou YouTube en cas de censure ou encore de discrimination. Point de citation. Le Parlement russe a adopté en première lecture le 23 décembre dernier une nouvelle loi qui va permettre aux autorités de bloquer les plateformes condamnées pour des faits de censure ou de discrimination. Ce texte porte particulièrement sur des sanctions contre la censure visant des Russes ou des médias du pays, a indiqué la chambre basse du Parlement, la Douma, dans un communiqué. Il doit permettre de sanctionner notamment les limitations d'accès à des informations pour des raisons liées à la nationalité, la langue, l'origine et rend possible le blocage complet ou en partie des sites incriminés. Je parle bien sûr de Facebook et sans oublier tout ce que vous connaissez d'ailleurs. Eh bien monsieur, la Douma précise que ces sanctions seront également possibles en cas de discrimination contre le contenu des médias russes. Les auteurs du texte avaient indiqué précédemment que la loi pourrait être utilisée
contre des services étrangers, contre Twitter, Facebook et YouTube, car ces derniers ont été accusés par des médias russes d'une vingtaine d'actes de discrimination au cours de l'année 2020. Twitter et YouTube apposent des étiquettes spéciales sur les profils ou sous les vidéos de médias d'État et agences de presse russes. En juin dernier, Facebook avait annoncé son intention de faire de même. À plusieurs reprises, Moscou a dénoncé la discrimination que font subir les géants américains au web et aux médias russes. Twitter a bloqué le compte Twitter du président des États-Unis du jamais vu, c'était vendredi dernier, bientôt suivi par Facebook, Instagram, Twitter. En France et en Europe, des personnalités politiques dénoncent une ingérence des plateformes dans la vie démocratique. Alors que 2021 démarre à peine, les médias du monde entier ont assisté, sidérés, au saccage du Congrès américain par des partisans, soi-disant, de Donald Trump, agbouté sur son refus du résultat de l'élection présidentielle qui venait de donner, selon eux, la victoire à Joe Biden. Dès le 3 novembre, depuis d'ailleurs le 3 novembre, Donald Trump avait évoqué une fraude généralisée et concertée qui aurait été mise en œuvre afin de faire élire Biden et de spolier le peuple américain de son véritable vote. Rappelons d'ailleurs que plus de 74 millions de personnes ont voté pour le président Donald Trump. Bien que ces allégations, selon eux, n'aient pas résisté à leur examen par le pouvoir judiciaire et aux enquêtes diligentées dans plusieurs États, le président sortant fait savoir et appelle ses partisans à s'élever contre la certification du résultat de l'élection présidentielle, prévue d'ailleurs pour, il fallait dire comme ça, depuis le 6 janvier. Et à peine 24 heures après le saccage, alors même que Donald Trump venait de condamner les violences survenues au Capitole et de s'engager à assurer une transition sereine du pouvoir, plusieurs réseaux sociaux ont annoncé le bannissement de ses comptes. La raison invoquée était que les propos qu'il avait proférés en ligne avaient incité la foule à recourir à la violence dont le monde a été témoin. Afin de prévenir de nouvelles violences et estimant que certains tweets du président américain avaient participé au déclenchement des événements, Twitter a annoncé un ban à durée indéterminée. Je vous parle donc d'un bannissement des réseaux sociaux et précisément sur Twitter. Facebook, pourtant souvent non aligné avec Twitter en ce qui concerne les politiques de restriction et de contrôle de la parole des personnalités politiques, a suivi la même ligne, expliquant que, au vu de l'importance des risques induits par la diffusion des propos de Donald Trump, ses comptes Facebook et Instagram étaient suspendus pour une durée indéterminée et à minima pour les deux prochaines semaines. Outre ces mastodontes YouTube, mais aussi Twitter et Snapchat, qui regroupent d'autres profils d'abonnés, ont eux aussi annoncé des restrictions contre le président américain. Ce n'est pas seulement le président américain qui est concerné, mais également toutes les personnes qui pourraient supporter le président américain, peu importe le continent sur lequel il se trouve. Il faut bien le préciser. Eh bien, messieurs, pour continuer à en parler, YouTube a supprimé plusieurs vidéos publiées par Donald Trump et avertit les utilisateurs que toute chaîne qui publierait ces informations, ces vidéos sur les élections américaines, trois fois en 90 jours, serait définitivement exclue de la plateforme. Je parle bien sûr de YouTube, de Facebook, d'Instagram, de Twitter et sans oublier bien sûr les autres. Eh bien, messieurs, pour sa part, Twitter a bloqué le compte du président américain jusqu'à la fin de son mandat et Snapchat a fait de même à partir du mercredi fatidique, ajoutant que la société suivait de près la situation avant de réévaluer sa décision. Finalement, nous sommes dans quel monde? Il y a encore quelques années, on nous faisait savoir que c'était un village planétaire. Aujourd'hui, il faut un passeport vaccinal pour voyager. Autre chose encore, les réseaux sociaux deviennent interdits. Il suffit que vous mettiez justement sur votre profil un sujet qui fâche Facebook, vous êtes suspendu. Là encore, on se pose des questions aujourd'hui. Faut-il se soumettre pour survivre? Peut-on d'ailleurs vivre sans les réseaux sociaux? Eh bien, nous allons longuement nous attarder sur ce sujet ce matin. Président Badakhani, finalement, le fascisme numérique étale ses ailes brunes sur la toile. C'est un danger.
Vous savez ce qui est intéressant devant la brillante démonstration journalistique. Alors, un vrai journalisme, parce que vous êtes supérieur aux corrompus de RFI, de France 24, de tous ces médias qui, pendant longtemps, ont fait croire qu'ils étaient des grands journalistes, alors qu'ils sont des garçons de cause, corrompus, pour seulement rester à ce niveau. Je ne veux pas revenir sur la façon dont ils sont mouillés jusqu'au cou dans des salités insupportables. Je dis bien, tous les journalistes de ces médias-là, M. Ngos, oui. D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, en France et en Europe, les médias alternatifs ont ramassé toutes les audiences. Dans les pays européens, aux États-Unis, les derniers chiffres démontrent que la plupart de ces médias mainstream ont perdu plus de la moitié de leur audience, oui. En termes d'abonnés. C'est eux-mêmes qui le disent, hein. C'est eux-mêmes qui donnent les chiffres, le disent. Donc ça montre que l'évolution dans le monde, c'est que les peuples ont compris que les médias mainstream, les médias dominants, ne sont plus des médias, ce sont des criminels encombrants, ce sont des assassins qui tuent avec le micro, ce sont des tueurs. Nous sommes heureux que vous vous démarquez de cette engeance honteuse. C'est important de le dire. Vous venez de faire une brillante démonstration journalistique. Je voudrais rapidement d'abord rappeler certaines évidences qui sont établies. C'est le président Trump qui a sécurisé le bâtiment du Capitole en envoyant la garde nationale. Vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas entendre ça dans ces médias criminels. C'est le président Trump qui a sécurisé le bâtiment en envoyant la garde nationale. Maintenant, il est démontré, c'est établi, les images circulent. Les Antifa eux-mêmes disent comment est-ce qu'on les a achetés, on les a recrutés pour aller casser et mettre ça sur le dos de Trump. Troisièmement, les casseurs aux États-Unis, ce sont les démocrates, avec les milices qui saccagent, qui tuent impunément depuis des années et des mois aux États-Unis. C'est connu. Mais on veut maintenant le faire croire. Et d'ailleurs, dans le document qui est sorti du portable de Mme Nancy Pelosi, oui. Elle le dit clairement, elle dit, faites tout ce que vous allez faire, on va mettre ça sur le dos de Donald Trump. Et le gars demande que, mais c'est elle dit, reste tranquille, les médias là sont dans nos poches. Ce sont nos... Il n'y a qu'un mot là même, c'est-à-dire... Laquais, c'est poli. Il faut trouver un autre mot qui exprime même le vrai niveau. C'est-à-dire, vous sentez comment elle vous démontre, elle vous dit que ces médias-là sont leurs garçons de cour, ce sont des boys. Aussi. Donc, à partir de ça, qui peut encore croire au balivernes de ces gens-là pour dire que la casse qu'il y a eu au Capitole, c'était les gens de Trump. Il n'y a aucun propos, il n'y a aucun mot dans le propos du président Donald Trump qui peut justifier la moindre accusation à son égard par rapport à cette manifestation. Et les républicains américains, depuis l'élection présidentielle, manifestent tous les jours aux États-Unis sans casse. Chaque fois qu'ils sont attaqués par les Antifa, ils les neutralisent. Il y a les images. Hein. Pour celui qui veut chercher, les images sont là. Donc, chaque fois que nous avons l'occasion, M. Ngos, rappelons ces vérités. Oui. Maintenant, l'affaire de les censures, c'est quand même grave. Mais vous voyez les gens, c'est-à-dire que les GAFA, mais ce sont des États désormais. Ce sont des États, c'est ce qu'il faut dire. On ajoute même un GAFAM. Et, oui, et les propriétaires des GAFAM sont au-dessus des chefs d'État. Et les gens maintenant ont compris, tous les présidents du monde entier de faire comme s'ils ne comprennent pas. Ce qu'on a fait à Trump, on va leur faire ça. J'espère qu'ils comprennent d'ailleurs. Hein. Non, c'est-à-dire que vous voyez que les gars. Alors, première question. Qu'on nous dise par quelle magie les GAFAM sont devenus des États pour acquérir un tel pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la médiation d'un juge. D'une justice, les gars décident carrément. C'est-à-dire, ils sont devenus des États. Ils prennent des mesures de souveraineté. Et pendant ce temps, insulter M. Donald Trump, vous voulez sur ces médias. Vous n'êtes pas inquiété. On ne vous inquiète même pas. On vous dirait insulter. Je ne reviens pas sur les trucs les plus obscènes, les plus criminels qu'on déverse matin, midi, soir dans ces médias sociaux et qui ne dérange pas M. Zuckerberg, tous ces gens. Bon, là, on ne le dit plus que ça le dérange. Un parti pris évident. Mais quand vous dites, avec ta permission, quand vous dites des choses, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, ce qui me choque le plus, c'est ceux qui refusent de voir l'évidence, parce que ça crève les yeux. Quand vous regardez le comportement de ces médias-là, de ces médias mainstream, de ces réseaux sociaux, mais c'est carrément de la propagande pour un camp, et c'est de la discrimination pour un autre. Mais c'est tellement ouvert, et c'est les démocrates qui sont justement ceux qui sont plébiscités par tous ces réseaux sociaux-là, et par tous ces médias. Quand vous, pendant le litige,
En tout cas, pendant les balbutiements de la campagne, là, au moment des résultats, certains étaient pro-Trump, certains étaient pro-Biden, mais tout ce que vous pouviez dire contre Joe Biden était censuré par Facebook. Tout ce que vous pouviez dire contre Trump prospérait normalement. Faire. Mais oui. Il y a quand même des choses qu'il faut... Ce n'est pas une question même d'être pour ou contre, mais il faut être objectif à un certain moment. YouTube, par exemple, a dit clairement, puisque c'est le sujet, je vole quelques minutes au président, toute personne qui va publier quelque chose vidéo sur Donald Trump, et ils ont également dit... sera censurée. Toute personne qui va... Mais ils l'ont dit dernièrement, toute personne qui va publier un article, une vidéo contre le vaccin également, du Covid, cette vidéo va être supprimée purement et simplement. C'est des faits. Mais à un moment donné, où est la démocratie, comme dit le président Bandakané, où sont les libertés? Et toujours derrière, curieusement, les démocrates sont ceux qui sont plébiscités, ceux qui n'ont aucun problème dans les réseaux sociaux, et tous ceux qui vont dans le sens de Donald Trump ou dans le sens contraire de ce qui nous est imposé, est censuré. Il y a vraiment un problème. C'était apparemment, vraiment... nous allons également être censurés. Ne vous inquiétez surtout pas. À continuer, président Bandakané. Merci, Paul, là, de m'aider. J'étais en train de dire donc, vous voyez, cette situation est quand même gravissime. Oui. C'est quand même terrible qu'on vive des choses comme ça. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que les gens oublient, ces médias sociaux, tous là sont hébergés, hein. Soit hébergé par c'est quoi, c'est internet ou quoi, soit hébergé, oui. Qui ne leur appartient pas de manière fondamentale. Les gens ne le savent même pas. Ça ne les appartient pas. Ce sont des propriétés de l'État américain. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils font que c'est quand même terrible qu'on soit arrivé à un tel niveau de nazisme. Alors, ça vous rappelle. C'est le fascisme, hein. C'est plus même, c'est pire même que. C'est extraordinaire. Le fascisme est un moyen pire que le nazisme. C'est le nazisme. Ça rappelle tout ce que Hitler. C'est comme ça que le projet hitlérien avait commencé. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, de médias sociaux, mais c'était exactement. C'est-à-dire, ils reprennent sans aucune honte les méthodes de Hitler. Absolument. Qu'ils insultent et ont présenté comme le plus mauvais du monde. Absolument. Si vous avez dit que Hitler est le plus mauvais que la Terre, est le mal par excellence, et que vous reprenez ces méthodes, entre vous et Hitler, qui est pire? Vous êtes pire qu'Hitler. Forcément. Ce sont des nazis. Ils ne sont pas néo-nazis. Ils sont des vrais nazis. Vous ne pouvez pas avoir enseigné au monde pendant longtemps imposé avec des lois sur l'antisémitisme. Tout ça est consort dit que le mal du siècle, ça a été M. Hitler et le national-socialisme. Vous avez enseigné ça aux gens et tout et tout et tout. Les gens ont grandi avec ça en tête. Vous venez faire exactement pire. Ce pourquoi Hitler a été condamné. Alors nous ne sommes plus. Le national-socialisme était un joueur. Nous sommes maintenant dans le global socialisme. C'est là où l'on est. Nous sommes dans le global socialisme. Dit. Très bien dit. Pour que les gens le comprennent. Avec à la tête, le nouveau Hitler, qui sont les démocrates, les messieurs Macron et tous ces occidentaux là-dedans. Les choses doivent être claires, les plans doivent être clarifiés. Quand on a dit ça, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on peut vivre sans ces histoires. Alors moi, je vous dis, moi, je n'ai aucun compte Facebook. Vous le savez, non? Oui. Ça fait des années. Je n'ai jamais pris un compte Facebook. Moi, je le rappelle, parce que ceux qui marchent avec moi, ceux qui travaillent avec moi, au sein de notre parti, je leur ai toujours dit que l'affaire là, vous allez voir où ça va bien, où ça va aboutir. J'ai toujours dit ça. Je n'ai pas de compte Facebook. Je ne suis pas, vous ne me voir nulle part. Pour dire que nous ne disons pas ce que nous ne faisons pas. Nous disons, et c'est au lieu que je le dis publiquement, mais si vous fuyez, moi j'ai pas dit, si vous le savez, je n'ai pas de tout Facebook. C'est pas dans ces choses-là. Parce que je savais très bien ce qu'il y avait derrière. Tout ce qui arrive là en gauche, moi je suis content. Vous savez pourquoi? Je suis très content. C'est une bonne chose. Parce que les conditions de la libération du continent africain sont potentiellement établies et sont devant eux. Alors, il ne faut pas venir parler ici des présidents. Parce que moi, je dis, ce n'est pas un président qui vient d'aller mettre sur Facebook. Mais voici, je ne suis pas à Facebook. Je n'ai jamais reçu un coup de fil de l'autorité camerounaise me dire pourquoi tu n'es pas sur Facebook? On m'a jamais dit ça. Quand on m'a pas dit, mais pourquoi tu n'as pas de boîte email? On ne m'a jamais dit ça. Au contraire, c'est d'autres personnes qui disaient que, mais comment tu peux vivre au 21e siècle? 20e siècle, tu es comme ça, mais tu es âgé. Aujourd'hui, ma père pour dire que, mais président, tu avais raison. Hein? Il faut que je me prépare, moi, qui te disais l'autre, qui a passé le temps à te rappeler de te mettre à jour. Il faut que moi, je prépare à me retirer à jour, que je me retire du jour. Les conditions de la libération du continent africain sont réunies.
Première chose à faire, Ghost, oui, on peut très bien vivre. Et on vivra même mieux sans cette bêtise-là. Absolument. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce criminel, ce nazi, c'est un chantage en plein jour à ciel ouvert. Vous, quand vous êtes sur Facebook ou dans ces choses-là, mais qui enrichit qui? Entre vous et monsieur et les GAFAM, et les propriétaires des GAFAM, qui enrichit qui? C'est nous qui les enrichissons. C'est aussi simple Absolument. Que ça. Mais il faut qu'on fasse une émission spéciale. Vous appelez des informaticiens. C'est comme vous démontrer comment c'est vous qui enrichissez ces gens-là. C'est vous. Ils font semblant de vous donner des prestations parce qu'ils vous interconnectent. Mais ça aurait été, si ce n'est pas eux, ça aurait été d'autres personnes. La preuve. Monsieur Trump a dit qu'il va lancer son média social. Hein. Le nom média, c'est quoi? C'est Freedom Media, un truc comme ça. Vous avez dans le monde entier beaucoup de plateformes qui émergent. Il n'y a qu'en Afrique où on croit que si on n'a pas Facebook, machin, on est mort. Non, il y a déjà pas mal de mais réseaux sociaux. Il faut rappeler ça aux Africains. Typiquement africains. Alors, qui sont des détruits. YouTube vous parle comme ça parce que YouTube sait que mais vous êtes aliénés et que vous ne comprenez pas que YouTube c'est rien et qu'on peut s'en passer. Que c'est rien du tout. Il y a un Camerounais vivant au Canada qui a créé sa chaîne de musique, enfin comme YouTube, chaîne de vidéos, et ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs comme ça. Vous voyez, c'est cette addiction-là, cette aliénation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui fait croire que, qui amène ces gens à parler comme ça aux gens. À parler comme ça aux gens. Donc on peut se passer de ça. Oui. Parce que, un, les Africains, l'autre message c'est que, mais créez vos plateformes sociales. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et c'est le rôle, ça aurait été le rôle d'une affaire comme l'Union africaine. S'il n'y a pas la tête, des vauriens. Permettez-moi l'expression. Hein, c'est le cas. Des vauriens. Mais c'est le cas. En passant par le président Mahamat Faki, je le cite, et les autres là, ce sont des vauriens. Parce que c'est l'occasion. C'est le rôle de l'Union africaine. C'est quoi? Ça coûte quoi l'Union africaine de lancer une dynamique de plateforme africaine? Ça coûte quoi? De faire même seulement la promotion parce que ça existe. De se membre pour plébisciter. Tous les compétences sont là pour ça. Les moyens financiers sont là. Et c'est vrai pour les, États. C'est vrai pour les États. Donc, créons nos plateformes. Et on peut le faire. Alors, IATA, qui fait le chantage de passeport. Du passeport vaccinal. Oui. Mais là encore, revenons. Quand moi je paye mon billet d'avion pour voyager, qui enrichit l'autre? Moi je voyage. Mais qui fait les bénéfices? C'est eux qui font les bénéfices. C'est les compagnies aériennes. Ils font les bénéfices chaque fois que moi je fais un voyage. Alors moi je vous dis, alors, vous croyez que si les Africains ne voyagent pas pendant seulement 6 mois, Yata va parler encore? Pas du tout. Ça, il faut le dire, hein, haut et fort. Bon, personne n'aura le choix. Ceux qui veulent continuer à voyager, qui voyagent, en tout cas moi, sans commentaire, qu'est-ce que je fais dans un avion? Chaque fois que moi j'ai voyagé, on a payé mes billets, on m'a même supplié de voyager. Je voyage, je vais aller où? Qu'est-ce que moi je vais faire en France? Si je vais en France, faire 3 jours, je meurs. Si je vais aux États-Unis, je meurs. Parce que quand je veux voir des images dans les rues là-bas, ce qu'on fait là-bas, mais je veux mourir. Qu'est-ce que moi je fais là-bas? Moi je suis heureux en Kappa, je suis heureux en Neubel, je suis heureux dans un village du Cameroun, je suis heureux, je vais au Tchad, en Afrique, il y a tellement d'endroits où c'est merveilleux. Monsieur Gauss, qu'est-ce que je veux faire là-bas? Donc le débat, il est clair. Est-ce que oui ou non, les gens vont accepter qu'on les vaccine parce qu'ils veulent voyager? Les questions fondamentales de l'existence sont désormais devant nous et il faudra qu'on les adresse, il faudra qu'on les affronte. Donc on peut se passer de ces gens, M. Ngoff. J'ai fait des émissions dès le début du Covid où j'ai démontré comment est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Europe, c'est l'Europe qui ne peut pas se passer de l'Afrique. Absolument. Tout ce qui est nécessaire pour eux, ça vient d'ici. Vous prenez un pays comme le Cameroun, là on le parle. Quand ici, ça soit essayé de confirmer les frontières, il ne blague pas. Je lui avais dit que le coup, à l'heure va arriver où ton topo là, ton concept va s'imposer seul. D'abord, depuis que le Covid a commencé, observez la vie. Comment on vit les pays comme le Cameroun? Dès que le Covid a commencé, les produits de première nécessité ont connu une baisse terrible. Moi, je me rappelle, je m'asseyais devant ma porte dans mon quartier, les vendeurs de tomates venaient devant moi et me suppliaient. Et j'avais le choix entre acheter leur cajou ou ne pas acheter. Les prix avaient baissé de pratiquement 90%. Et on voulait dans la maison faire la promotion des tomates, qui avant le Covid coûtaient très cher sur les marchés. Je crois. Ce qui est vrai pour la tomate était vrai pour pratiquement toutes les marchandises de première nécessité, M. Ngoff. Un pays comme le Cameroun a 85% de son secteur, de son économie, qui est dans le secteur informel. Le secteur informel, ça veut dire que c'est composé de personnes qui vivent au jour le jour. Et qui n'ont pas besoin de leur activité, sont des activités de reproduction quotidienne directe, parlons comme ça.
dans tous les domaines. Je dis bien 85% de la population du Cameroun travaille et vit grâce à ce secteur informel. Monsieur Ngos, qui au Cameroun a les moyens de s'offrir un billet d'avion pour voyager 3 fois par an? Ce ne sont pas ces gens. C'est pas du tout, ce ne sont pas eux. Vous comprenez? Oui. Où est donc que c'est le problème de qui? Ils se reconnaîtront. C'est le problème de qui? Donc vous voyez bien que même sur le plan de la vie économique de tous les jours, les conditions sont même réunies pour que on ferme les frontières, on tienne ferme devant ces gens, et au bout de quelques mois, ils vont déposer. Ils vont déposer. Je vous dis que toutes les conditions sont réunies. Vous avez parlé que bon, on va nous dire qu'est-ce qu'on fera des intrants. Ça me fait rire. Combien d'Africains achètent des pièces originales, disons même qu'il s'agit de leur voiture. Je pense que c'est pas les voitures. Oui. Vous allez dans les garages, vous allez dans certaines, dans des garages, vous ne pas dire plus, les gens vous fabriquent les pièces. Les Camerounais fabriquent les voitures. On a déjà vu. Les Camerounais fabriquent tout. Je dis, je peux dire le Cameroun là est vrai pour tous les pays africains. Vous allez au Nigeria, c'est pareil. Vous allez au Ghana, c'est pareil. Je dis, les Camerounais sont prêts à fabriquer tout. Moi, je connais une femme qui est ingénieure en mécanique, qui fait des choses extraordinaires dans tous les domaines. J'ai un ami commun, M. Simo, qui vous repart tout ce qui est nécessaire en matière d'intrant électrique. Il le connaît. M. Matip, il est là. Il est au Cameroun, il travaille avec Néo. M. Matip. Il fabrique tout ça. Donc, vous dites que sur le plan, c'est-à-dire que les conditions sont réunies. Maintenant, si c'est trop demandé parce que nos élites ne sont pas prêts, vous venez de citer M. Poutine, non? Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure? Interdiction en tout cas de Facebook, Instagram et tous les autres. Hein. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas le seul. La Corée du Nord a déclaré, j'ai dit hier, le président a déjà dit que si Biden devient président, les États-Unis deviennent l'ennemi numéro un public de la Corée. Et il a demandé qu'on active tous les armements, les dispositifs nucléaires du pays. Et il a dit, ça veut dire que des alliances même sont possibles dans le monde, à l'heure où nous parlons, pour casser de telles dynamiques. Les alliances sont possibles. Il faut seulement suivre ce que les médias même disent. Les alliances sont possibles pour casser de telles dynamiques. Peut-être nos dirigeants en sont conscients et que silencieusement, ils préfèrent agir silencieusement pour certains, mais il faut préparer l'opinion publique à ce genre de défis. Pour dire que les conditions sont réunies. Donc moi je vous dis, on peut se passer de ça. Moi je ne sais pas ce que ça m'a apporté de plus. Et ça la rajoute. Ça gâte nos enfants. Il y a des choses. C'est-à-dire, pour utiliser cette affaire-là de manière positive, il faut être quelqu'un de discipliné, avec une certaine éthique, une certaine culture. Ils sont très peu. Dans la plupart, vous voyez à quoi servent ces bidons, c'est tout dans leurs mains. C'est la débauche, ça fait la promotion de la feignantise. Allez voir les On ne retrouve juste des insultes. Allez voir les performances des Africains sur cette système. On va y revenir dans un instant. Voilà. Simon Dé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Ngos, bonjour à mon frère Barakani, bonjour à Ella, bonjour à tous les techniciens par qui nous pouvons communiquer avec le monde entier. Bonjour à tous les fans clubs de DBS matin. Et à tous les journalistes qui font un travail merveilleux pour l'Afrique. Très heureux de vous avoir ce matin, on sait pétillement que vous avez été. Je m'excuse du retard parce qu'il y a tellement d'embouteillages avec les frères de la chaîne. Et on va pas également oublier que bon, vous êtes aussi un homme d'affaires. Voilà. Et je voudrais allez-y. Bon, vous nous avez trouvé en plein sujet d'ailleurs. Je voulais dire que vous savez, le premier pas de danse ne fait pas couler la sueur. Oui. Et l'agneau qui se loigne du troupeau, c'est avec sa peau qu'on fait le tam-tam. Oui. Donc je tire l'attention de tous les Africains sur cette aventure qu'ils appellent. Aller à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'on va chercher là-bas. Certains vont même prendre le risque de se faire vacciner. Accepter qu'on mette des conneries dans leur corps. Monsieur Ngos, si les gens ne nous ont pas donné une bonne industrie, une bonne maison, une bonne nourriture, ils ne nous ont pas envoyé monter la voie qui mène au bon Dieu. C'est la santé qu'ils vont nous donner. Du tout. Il faut que les Africains réfléchissent un peu. Je suis honteux quand j'entends des gens dire, nos États, dire qu'il faut vacciner les gens. Vacciner par rapport à quoi? Moi, ça fait 40 ans, j'ai jamais pris un compliment de vos étoiles de blanc. 40 ans. Ni mes enfants, ni ma femme, ni personne. Je n'ai jamais mis pied dans un hôpital. Je ne comprends pas comment les gens peuvent aujourd'hui demander qu'on les vaccine. Pour faire quoi? Les gens qui ont préparé des coups. Pendant des années, rien que la France a tué 22 chefs d'État africains, la France, sans compter les citoyens
des milliers de des millions d'Africains qu'on a tués. Aujourd'hui, on vous dit vaccin. Et les gens sont prêts à accepter des vaccins en Afrique. Je suis. C'est une honte. Ça me fait même pleurer. Parce que je sais que les gens ont fait des calculs. Ils savent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On a tout. Pour ça, il faut tuer tous les Africains pour s'approprier les matières premières et tout et tout. Et idiot comme on est, on accepte. On va accepter que les gens viennent nous imposer des conneries. Si nous aiment tellement, les gens meurent chez eux. Pourquoi ils ne les vaccinent pas? Donc, ils nous aiment tellement qu'ils vont laisser les gens mourir chez eux pour venir nous protéger parce qu'ils nous adorent. Les Blancs, non, ils aiment les Noirs. Bon sens. C'est que on a mangé nos cerveaux. Ça dit la corde est partie du cou pour le cerveau. Il faut qu'on sorte de là, mon frère. C'est une honte quand j'écoute ça là. Ça me fait pleurer. Je ne sais pas comment exprimer ma tristesse devant cette histoire là. Les Africains acceptent le vaccin pour faire quoi? On vous parle pour voyager. Du colonel virus ou bien c'est coronavirus ou colonel virus. Bientôt il sera général. On va le retrouver partout. Après le maréchal, non, il faut arrêter. Bon sens, c'est quoi cette histoire? Et on est en train de me dire qu'on a créé 9 centres à Douala pour les vaccins ou les quoi. 9 centres à Douala. Et on vous dit les centres où les gens vont aller pour se faire vacciner. Vous êtes obligé d'aller à l'étranger, on cherche quoi là-bas? Vous laissez le paradis pour aller en enfer. Bon sens. Vous avez les rapports chaque jour. On vient recruter des filles ici. On dit qu'on les envoie en Asie. Elles deviennent des esclaves. On les tue, on prend leur poumon, leur cœur pour vendre. Et les gens continuent à courir pour aller à l'extérieur. On a tué plein d'Africains. On a prétendu que c'était le coronavirus. Je ne veux pas citer ici. C'est pas parce qu'on voulait prouver aux yeux du monde que même les plus célèbres peuvent mourir du coronavirus. Pour vous mettre dans la tête qu'il faut se vacciner. On nous a préparé. Mais on a préparé des idiots. Des personnes qui veulent voyager en tout cas, Timothée. Oui. C'est triste. Ils sont très nombreux d'ailleurs qui rêvent de la France, qui rêvent de l'Occident, qui rêvent de l'Europe. Pour eux, il n'y a qu'une seule chose, la meilleure des vies se retrouve de l'autre côté, pas ici. Je voudrais, à la suite de ce qu'on est en train de dire, interpeller, vous avez été témoin, depuis 5 ans, on a mis en place une structure qui, dans 1 an, 2 ans, avec le concours, si les Africains veulent, ils vont voir comment l'Afrique va changer. On n'aura plus besoin des Occidentaux. Je vais expliquer ce phénomène. Vous étiez à la deuxième réunion des experts. C'est le programme panafricain pour le développement du continent africain. Oui. Il s'agit de quoi? Ça dit que chaque Africain de la diaspora, s'il met 100 euros tous les mois, s'il y a 1 million d'Africains, vous imaginez ce que ça peut faire. Avec ça, on peut mettre en place des structures de santé. Ça dit des laboratoires. Tout. Les experts dans chaque domaine d'activité, ils s'organisent. Ils font des projets. Avec cet argent, on met en place une industrie pharmaceutique. On met en place une organisation africaine de la santé. Pourquoi est-ce qu'on va accepter des conneries qu'on appelle OMS? Pourquoi? Après, on va nous parler de la démocratie. Voilà la vraie démocratie aux États-Unis. Voilà, on nous montre que... En France. Voilà, on nous montre la démocratie. Avec Macron et ses amis. Macron, on va. Je ne suis pas français, excusez-moi. C'est pas causé ma on va rester courtois. Courtois de quoi? Ils sont courtois en tuant les Africains, monsieur Boko. Ils sont courtois en tuant les. Ils sont en train de vouloir tuer des milliers d'Africains. Vous me demandez d'être courtois avec des voyous? Des millions d'Africains. Avec des voyous, vous me demandez d'être courtois? Je suis désolé, je ne serai jamais courtois avec eux. Parce que la courtoisie, depuis que je ne suis pas courtois, combien sont morts? Il fallait qu'ils ne soient pas courtois envers les Africains, on devait vivre. Depuis qu'il y a les gens civilisés, policiers. Combien sont morts? Non, il faut arrêter cette histoire-là. Oh, il est temps qu'on mette un thème à cette histoire. Courtois de quoi? Ils sont courtois en tuant les Africains. Combien meurent dans le terrorisme? On a remplacé les terroristes par. On a remplacé les mercenaires par les terroristes aujourd'hui. Hier, c'était les hein? Faites diplomate. Diplôme quoi? Tu es diplomate. Hier était les mercenaires. Revenons en tout cas sur le sujet qui nous intéresse. Je suis énervé. C'est normal. C'est très normal. C'est votre honneur le plus absolu. On vous comprend parfaitement, Simon D. Oui, je suis. Paul est là. Jusqu'à preuve de compteur, on reste sur le sujet. Finalement, les GAFAM sont devenus une véritable menace pour la liberté d'expression et d'opinion pour tous les, il faut le dire comme ça, les habitants de la Terre. Le chantage. Puisqu'il s'agit du chantage vaccinal, ne peut se faire que lorsqu'il y a une dépendance. Ça ne peut se faire que lorsque on a suffisamment lobotomisé les cerveaux des Africains pour leur faire croire que leur Eldorado, leur avenir,
leur tête pensante, en tout cas tout ce qui est bon pour eux, venait de l'Occident. Jusqu'ici, vous avez des Africains, je le dis et je le redis, et c'est ce qui m'afflige toujours le plus. Vous avez des Africains qui savent que leur avenir ne peut être que pensé, défini et tracé par l'Occident. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez? Quand on leur propose des poisons qu'on va leur injecter, ils vont dire Dieu merci. Ils vont dire gloire à l'Occident, parce que c'est eux qui savent ce qui est bon pour nous. Il faut que les Africains commencent à penser par eux-mêmes et à tracer leur propre chemin. Voilà la réalité. Et voilà le challenge qui se présente. Aujourd'hui, il n'est plus question de demander ce qu'il y a lieu de faire, d'attendre que ce soit les chefs d'État qui réagissent, d'attendre que Dieu réagisse, parce que j'entends beaucoup de réactions qui me dépassent, qui me choquent de la part des Africains, qui font preuve d'un attentisme sidérant. Ceux qui se disent chrétiens disent « Dieu va nous aider ». Quel Dieu va vous aider? La mentalité magique. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est de la superstition, c'est un attentisme criminel pour soi-même. Ceux qui sont des prétendus intellectuels avec des titres ronflants continuent de penser que l'Occident a tout ce qui est bon pour eux. Puisqu'ils répètent par psittacisme, par écolalie. L'écolalie, c'est une maladie psychique, mentale, qui fait qu'on répète seulement ce que l'autre dit. Toutes les fins de mots, toutes les fins de phrases, toutes les fins de paragraphes de l'autre, on répète de façon machinale. Mais vous avez donc des pseudo-intellectuels africains qui ne font que répéter ce qu'ils entendent à la télé. Oh, tel a dit, mais toi-même, tu sais bien que tel a dit. Revenons sur le cas Joe Biden. Si je vous donnais le classement des universités françaises, je vous dirais que la première université française dans le top 100 des universités dans le monde est 68e. Allez-y, juste pour continuer. Je vais revenir plus tard. Si tu ne vaux pas compétence. Hein. Absolument. Oui, si tu ne vaux pas compétence. C'était juste pour mettre l'eau dans son moulin. Absolument. Mais aujourd'hui, il faut que les Africains arrêtent d'être la caisse de résonance de l'Occident. C'est affligeant, moi ça me choque. Je vais aller dans la suite de Simone Dey qui était énervée. C'est énervant parce qu'en fait quand vous voyez des Africains qui dorment sur leur laurier et qui attendent que la manne vienne du ciel, ça ne peut pas être tolérable, ça ne peut plus être acceptable. Quand vous avez des Africains qui vous disent que vraiment, on est très content parce que quand même, voilà, Kamala Harris est quand même une noire, sans savoir qu'en réalité, c'est une indienne. Et qu'elle a juste le temps un peu basané. Mais voilà ce par quoi les Africains se consolent. Ah, c'est la première femme. Les femmes sont très contentes. Ah, enfin une femme vice-présidente des États-Unis. Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'Afrique en tant que vice-présidente des États-Unis? Que représente même le statut de vice-président si ce n'est qu'honorifique? Barack Obama, qui est kényan d'origine, a été président des États-Unis. Qu'est-ce que l'Afrique en a tiré? Aujourd'hui, on dit Joe Biden, on est très content parce que Joe Biden va venir changer les choses en Afrique, vraiment. Mais est-ce que ce n'est pas de la bêtise? C'est quoi? On a eu un président Trump qui n'a fait aucune guerre, qui a laissé les Africains dessiner leur propre destin. Aujourd'hui, on est content parce qu'on dit que voilà un président qui va venir nous dire ce qu'on doit faire. Monsieur Ngos, je suis outré par l'attitude des Africains. C'est le moment où jamais... Avec ce chantage vaccinal, les Africains peuvent dessiner leur propre chemin. C'est le moment où ceux qui se disent chrétiens doivent pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils lisent dans la Bible. Ça ne sert à rien d'avoir des passages colorés dans la Bible pour montrer qu'on lit tellement la Bible et qu'on est tout le temps en train de dire gloire à Dieu, Dieu merci, Amen, Alléluia. Il faut poser des actes concrets. Quand Jésus était sur terre, pour ceux qui le suivent et qui se disent chrétiens, c'est le plus grand révolutionnaire de l'histoire. Il allait dans le temple, il chassait les vendeurs parce qu'il disait ce n'est pas un marché. Il déstabilisait et remettait en ordre de marche les plus grands royaumes. Quand il parlait, il changeait, il appelait les pharisiens qui étaient à l'époque les docteurs de la loi. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas leur parler n'importe comment. Il les appelait race de vipères. Race de vipères, tombeau blanchi. Pour ceux qui sont Christ, se disent chrétiens et qui doivent donc suivre le Christ, donc faire comme Christ,
Parce qu'en fait, il faut être quand même logique avec soi-même. Je suis chrétien, j'avais dire je fais comme le Christ et je ne reste pas là à prier, à jeûner, à dire Dieu va nous aider. Ça m'afflige énormément. Dieu ne va pas aider l'Afrique si les Africains dorment sur leur laurier. Ce n'est juste pas possible. Il faut qu'on se réveille. Et ceux qui se disent intellectuels parce qu'ils ont des doctorats, parce qu'ils sont professeurs, parfois des doctorats, on ne sait pas trop d'où ça sort. Du jour au lendemain, aujourd'hui, ils ne sont pas docteurs, demain, ils sont docteurs, on ne sait pas d'où ça sort. Tout simplement parce que ça fait beau, parce que c'est joli, parce que c'est... Je vous rappelle que je suis en thèse de doctorat, donc je n'ai rien contre les intellectuels ou contre ceux qui se prétendent comme tels. Donc, je n'ai rien contre les diplômes. Mais, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ça veut dire, ce qu'on dit qu'on est, il faut pouvoir l'assumer et il faut pouvoir prendre fait et cause pour la réalité de ce qu'on est en train de défendre. Aujourd'hui, on nous parle des GAFA, des GAFAM désormais, qui vont nous interdire, et on a déjà des sirènes de ce fascisme médiatique-là, qui vont nous interdire d'aller sur des réseaux sociaux. L'IATA qui est en train de faire un passeport vaccinal pour interdire à ceux qui ne sont pas vaccinés de voyager, ainsi de suite. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est parce qu'on est tellement aliéné, c'est parce qu'on est tellement obnubilé par des prétendus Eldorado, par une vie qu'on nous dessine et qu'on pense. Même la télé que vous avez à la maison, la télé n'est pas indispensable. Il m'est arrivé plusieurs fois, par choix, de faire un mois, deux mois sans regarder la télé. Mais je suis d'autant plus concentré sur mes articles, sur mes documents, et je suis mieux informé. Donc il faut qu'on arrête de rentrer dans la logique qu'on a dessinée et pensée pour nous, en nous disant que si tu n'as pas de télé chez toi, si tu n'as pas Canal Sat, c'est que tu n'es pas heureux. Si tu n'as pas de véhicule et que tu n'es pas dans la clim, c'est que tu n'es pas heureux. Si tu n'es pas sur Facebook, si tu n'es pas sur Twitter, tu n'es pas heureux. Si tu n'es pas sur YouTube, c'est des conneries, monsieur Ngo. Monsieur là, pour dire quelque chose d'important. Allons-y, monsieur. Ouais. C'est que en Afrique, c'est le continent africain est le seul pays où, quand tu vas aux États-Unis, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. On ne demande pas tes diplômes. En France, on dit tu as quel diplôme. En Afrique, on dit tu es parrainé par qui. Donc c'est pour ça que je dis que les diplômes là, ils ne servent absolument à rien. Absolument, rien. Absolument. Donc on a mis en place, on a mis dans la tête des gens que quand tu as une valise de diplôme, tu es intellectuel. Intellectuel ou bien intellectuel. Allons-y. Donc il faut qu'on arrête cette histoire. C'est pour ajouter de l'eau au moulin. De poulet là. Moi, j'ai quelque chose contre les diplômes parce que ça nous a tiré vers le bas. Ce matin encore, monsieur Bourse, j'ai failli pleurer quand on me dit que les billets pour la chaîne, c'est Total qui les vend. Donc, Tradex, les compagnies comme Neptune n'existent pas. 60 ans après, ces gens qui sont à la tête de nos États, qu'est-ce qu'ils nous veulent en réalité? Donc, c'est la France qui doit vendre les billets de la chaîne en Afrique. Organiser la chaîne en Afrique, bon sens. Je suis choqué. Vous ne pouvez pas imaginer ma colère ce matin. Et il y a de quoi, ma colère ce matin, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis fâché. Et il y a de quoi. J'ai failli même pas venir à cette émission parce que je me suis rendu compte que si je viens ici, je vais faire un scandale en bavardant. C'est pour ça que tu es là. Je suis très énervé. Non, mais il faut exprimer sa colère. Merci, monsieur. Il faut exprimer sa colère. Merci, monsieur. Il faut exprimer sa colère. Merci, Simon. Et moi, je suis d'avis avec toi sur le fait qu'à un moment donné, il y en a marre en réalité. Il y en a marre. Il m'a tendu la brèche. La solution, c'est nous qui l'avons. L'Afrique ne dépend de personne. L'Afrique n'a besoin de personne. Nous avons les hommes. Nous avons le sol. Nous avons le sous-sol. Nous avons même le climat. Nous avons le soleil 11 mois sur 12. Ça ne se voit nulle part. Mais l'Afrique est bénie et nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'attendre qu'on pense pour nous et qu'on nous dessine un chemin. Ce vaccin, nous n'en avons pas besoin. Et le chantage qui est derrière pour nous faire ne pas voyager, ne pas être sur les réseaux sociaux, vraiment, on s'en tape. On peut vivre sans ça. On peut créer notre propre environnement. Il y a des gens et des Africains qui ont créé des réseaux sociaux. Diversifions. Allons vers ce que nous-mêmes nous avons créé. Nous ne sommes pas. Pourquoi être omnibulés par ce que Zuckerberg a créé, par ce que Google a fait et par ce que YouTube a fait? Apparemment, tout ce qui est africain n'intéresse pas l'Afrique. Il faudrait qu'on change justement. C'est justement le problème que nous avons. Il faudrait qu'on apprenne à prendre nos responsabilités et que nous prenions fait de cause pour nos réalités
et le combat que nous sommes en train de mener. Ça veut dire l'autonomisation des peuples. Merci beaucoup pour cela. Paul la souligne quand même un détail, hein, président Barakani, avant que je vous passe la parole, avant de commencer à lire les messages et puis venir conclure pour nous séparer. Il y a ce problème quand même qu'il y a plusieurs Africains qui ont créé des réseaux sociaux. Je peux donner quelques noms sans faire de publicité à Yoba, Onjos, et sans oublier. Il faut faire la publicité. Mais justement, mais tout le monde se lève le matin pour se laisser entraîner par ce qui est fait par le blanc. C'est ce qui est fait par le blanc qui est mieux. D'ailleurs, on parle d'exclusion sociale, d'ailleurs, sur notre thème, dans l'autre thème de ce matin. Finalement, on a fini avec le coronavirus. On avait déjà une exclusion. On ne pouvait pas s'embrasser. On ne pouvait pas se toucher. Aujourd'hui, on est dans une autre exclusion entièrement sociale. On s'embrasse d'ailleurs. Hein, ne vous inquiétez. Allez-y. Mais on continue quand même à imposer aux Africains certaines règles alors qu'ils doivent savoir qu'ils sont libres. Ce matin, en déjeunant, j'ai mangé du Covid. Vous avez mangé du Covid. Vous êtes témoin que. Et je l'ai embrassé. Chaque fois qu'il y a des jeunes, je mange le Covid. Voilà, oui. Je l'ai embrassé. Voilà. Et nous, on se salue normalement. On a pas passé le code de barrière. Voilà. Moi, j'ai déjà dit, je ne cache pas. J'ai respecté les règles barrières par souci de ne pas défier les institutions. C'est tout. Il y a un mètre dans les taxis. Je dis. Il y a un mètre dans les taxis. Commençons par là. J'ai parlé. Tu te parlais. Sur la moto. Je dis, regarde. Sur la moto, il y a un mètre. Monsieur Barrière. Monsieur Connery, oui. Non, messieurs, restons sur le sujet qui nous intéresse. Non, c'est important. C'est le sujet. C'est restons sur le sujet qui nous intéresse. Donc, commençons par un mètre dans les taxis, sur les motos et dans les marchés. C'est important. Merci, monsieur. Revenons. C'est important avec un de la pédagogie et de l'humour de montrer aux gens comment les gens veulent arrêter la vie sans aucune raison. C'est même ridicule. Sans aucune raison. C'est ridicule. Sans aucune raison. Monsieur Barrière, oui. Vous approfondissez ce qu'on appelle l'immunité collective, cette bêtise-là est réglée en 3 secondes. Absolument. C'est réglé en 3 secondes. Absolument. Donc, moi je dis, je l'ai dit, je répète, quand moi je respecte les mesures barrières, c'est parce que je ne veux pas mettre le faux pour, je ne veux pas dire. Celui qui a le Covid vient me voir. C'est tout. Je le soigne gratuitement. Nos positions sont claires. Moi je mange. Le matin, quand je déjeune, le matin, il y a le Covid là, je déjeune ça, je mange et je bois de l'eau. Et tu es bien portant. Bien portant. Donc, pour dire quoi, non, à la suite de mes brillants prédécesseurs. D'abord, je ne vais pas laisser passer ce qu'il a dit sur le christianisme. C'est important d'approfondir ça. D'abord, Jésus n'a créé aucune religion. Du tout. Aucune. Absolument. Les gens savent où ils sont allés créer Absolument. Ces choses-là pour anarquer les gens. Le judéo-constantinisme, comme j'appelle, l'histoire de Constantin, qui s'est allié avec le lobby juif. Démons. Le lobby juif à travers la médiation du jésuitisme. C'est ça qui est, c'est ce qu'on appelle christianisme. Jésus-Christ n'a absolument rien à voir là-dedans. Rien à voir. Jésus-Christ. Il faut séparer les deux. Je sais que Simon fait, il aime faire cet amalgame-là. Mais il ne sera jamais content si on attribue à ses ancêtres ou à son père ce qu'il n'a pas fait. Donc, c'est une affaire de vérité simple. C'était ton ancêtre. Si vous me démontrez, si vous me démontrez que. Si vous, non, ça ne. Non, restons sur là. Simon, tu sais, non. Je sais. On est des vieux amis, tu es mon aîné. Tu sais que ma foi en Jésus-Christ est inébranlable. Jésus-Christ. Celui qui va bouger, ça n'est pas encore né. Et maintenant, il ne faut pas seulement faire de taquinerie, bon, on blague, c'est mon aîné, il n'y a pas de problème. Mais je dis, je demande, je dis que si quelqu'un veut me montrer là où Jésus a créé une religion, je change. Ça n'existe nulle part, ne vous inquiétez pas. Ça n'existe nulle part. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai dit. Donc le Christ. Si Jésus avait créé une religion, il devait avoir une seule religion. Très bien, bien sûr. Très bien, c'est clair et net. Donc moi je suis clair là-dedans. Le judéo-constantinisme, on connaît, 4e siècle, on connaît comment ça s'est passé. On connaît cette affaire-là. Ce qui s'est passé là-bas. C'est ça qui a bouché au catholicisme, qui s'est éclaté dans ces différentes variantes du christianisme. Qui détruisaient les gens et aliènent les individus. Pourquoi? Écoutez, la notion de la dîme, qui est si vulgaire dans les églises et machin et consorts, vous savez que ça prépare un subconscient pour admettre les choses comme le franc CFA. Quelqu'un qui est habitué à payer une dîme, quelqu'un qui doit payer une dîme pour que Dieu accepte son salut, pour que Dieu le pardonne, doit acheter une dîme. Je sais que ça va faire très mal ce que j'ai entendu au pasteur. Je suis désolé pour eux. Ce n'est pas biblique, ça n'a aucun sens, ces histoires-là. Donc, si vous admettez ce principe-là, ça facilite votre imaginaire pour accepter de payer une dîme nationale à la France. Payer une dîme nationale au monde entier. On paye déjà, non? Et comme maintenant, là, le GAFA, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Ce sont des dîmes. Voilà, on nous dit de payer la dîme numérique. Sinon, et la conséquence, c'est quoi? Vaccin. Donc les choses sont. Il y a des phénomènes religieux qui alimentent une mentalité fétichiste et irresponsable qui peuvent justifier des comportements comme ceci. Alors moi, quand je l'ai dit, j'ai dit aussi ça pour les traditions africaines. Moi, je suis clair là-dedans. Il n'y a pas de dîme dans les traditions africaines. Aucune dîme. Si. Non, si. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Non. Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Simon. Non, on ne paye rien du tout. Du calme sur le plateau. Merci, messieurs. Monsieur Simon. Chacun a son opinion, hein, Simon D. On a le temps. Oui. Moi, je distingue la tradition africaine et les coutumes. C'est deux choses fondamentalement différentes.
Et tu le sais très bien, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas envie de parler de l'état de nos chaufferies traditionnelles actuellement. La preuve, c'est que les statuts, c'est quoi? Ils sont auxiliaires de l'administration. Ils sont, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est un statut colonial. Et ça ne dérange pas la plupart de vos chefs. Et moi, je te dis, montre-moi un village en Afrique et au Cameroun, là où nous parlons, où il n'y a pas une mosquée et une église catholique. Et moi, quand je vais dans le village, je vois très bien comment les pasteurs, les imams s'entendent avec les chefs pour continuer ce système de spoliation. Et tu le sais très bien. Donc moi, je dénonce tout. Moi, je n'ai pas de parti. C'est un autre débat. C'est pas un autre débat. Je donne des faits. Je donne des faits. Donc, je suis au village tous les jours. J'ai été avec toi. J'étais avec toi même dans ton village. Dans le village où tu as conduit la délégation, on était ensemble. J'étais interpellé sur ce phénomène. J'ai dit, regarde. Quand le chef a fini sa part, il dit, pasteur, viens faire ta part. Le pasteur prend sa part. Le chef a pris sa part. L'imam va prendre sa part. Et après ça, on nous parle de dire que... On a un sujet là-dessus, hein, non, pour parler justement de ces marabouts qui pullulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux et qui multiplient de l'argent. On aura le temps d'en parler. Toutes les formes d'aliénation. Et moi, c'est ma démarche. Il faut traquer toutes les formes d'aliénation. Et dans la vérité, moi, je n'attribuerai jamais aux chefs traditionnels ce qu'ils n'ont pas fait. Jamais. Et si vous lisez le programme de mon parti, vous voyez ce que nous, on prévoit en termes de restauration de la tradition en Afrique. Ce n'est pas le bruit que nous fait. Donc, les choses sont claires. Quand j'ai dit ça pour dire que il y a des mentalités, il y a des pratiques chez nous qui justifient certaines choses qui nous arrivent. Parce que l'idée de croire que c'est normal de payer la dîme pour obtenir quelque chose, pour obtenir quelque chose de Dieu, pour obtenir des choses comme ça, et en faire, pour dire quoi? Et en faire une loi. Jésus est devenu un fonds de commerce. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Et en faire une loi, d'accord, en faire une loi qui brime et tient les gens, prépare le terrain à ne pas affronter les états comme le franc CFA. Prépare le terrain à ne pas lutter contre les choses comme ça. C'est clair. Quand j'ai dit ça, donc je vais être concret. Je ne vais pas aller loin. Nous avons déjà démontré que les Africains peuvent fabriquer toutes sortes de médias sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Les compétences sont là. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous parlons tous les jours du concept d'État néocolonial, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ce n'est même pas seulement lié aux francs CFA, qui sont des structures totémiques et symboliques. L'État colonial, c'est quoi? C'est que la mentalité de la population, la mentalité d'une partie du peuple, et surtout les élites, monsieur Ngos, ces gens n'ont jamais pensé un jour, ils ne sont pas en position de dire qu'ok, on va penser l'avenir et le développement du pays. C'est ça l'état néocolonial. Ils ne sont pas capables de le faire. Je parle souvent avec un de mes amis qui est même là, Jean-Jacques. Il me dit, vous pouvez me dire que l'état du Cameroun, vous savez ce qu'on appelle l'ENAM, et ce que l'ENAM produit comme individu, et leur mentalité, et quand vous vous rendez compte que l'ENAM c'est le statut de l'État au Cameroun, mais vous pouvez comprendre pourquoi l'État camerounais a des difficultés extraordinaires à se développer, se positionner, non, oui, comme quelque chose qui peut penser l'avenir et l'assumer. Effectivement. Faut pas vous dire ça de vous dire. C'est-à-dire que quand vous voyez que les fonctionnaires camerounais sont une catégorie à part dans le pays, c'est une forme de divinité. Et grandis, ils sont formés comme ça. Et du coup, c'est qu'ils apprennent à faire quoi? Des rapports, à gérer un dossier administratif. Vous comprenez ça? Et le pays se réduit à un dossier administratif. Si on ne peut pas fermer le pays dans un dossier, on ne traite rien. Et tout ce qui n'est pas... D'où la stagnation. Ce qui ne satisfait pas le dossier administratif. Le président a appelé ça l'inertie. C'est-à-dire, quand tu n'as pas satisfait les critères du dossier administratif, on dit ce que tu es en train de faire. Donc le pays, c'est quoi? Ce n'est que l'administration. Ça peut pas marcher. Oh, c'est quoi l'administrateur? Il a fait l'école, il finit, porte les vestes, il va dans un bureau. Absolument. Un pays, ce sont les bureaux. Absolument. Un pays, ce sont les entreprises. Absolument. Des gens comme Simon, des gens qui prennent les initiatives partout. Un pays, c'est tout ce qui tourne autour. Ouais, mais si on n'est pas capable de valoriser ça, si quelqu'un est fonctionnaire, il ne sait pas que mon rôle, c'est de mettre ça en valeur. Au contraire, c'est de fermer. Mais ça ne marche pas. C'est ça l'état néocolonial. Cette incapacité à croire qu'on peut faire tout ce que l'ennemi a fait pour nous séduire et faire mieux que lui. Absolument. C'est cela qu'il s'agit. Absolument. Réparer les voitures, faire les fusées. Et moi, j'ai dit dans des plateaux que. Mais l'Occident n'a même pas commencé la technologie. On vous est pas avec un portable, c'est quoi, moitié de génie technologique? Ça n'a même pas commencé. C'est l'Africain. Mais bien sûr, c'est pour ça que je n'ai même pas attaqué ça. En plus, quand vous voyez, en termes d'inventeur, vous voyez, allez les inventions, vous voyez comment le génie africain en termes d'inventions, c'était. On domine ça. Les gens, les riches, les roches et les consorts ont simplement l'air d'acheter les brevets. Absolument. Les brevets. Pour ajouter de l'eau dans le moulin, il faut savoir, c'est quand tu es en difficulté que tu inventes. Mais absolument. Ils ne sont jamais en difficulté. Ils vont inventer. Ils achètent les brevets. Puisqu'on est esclaves, ça nous permet de réfléchir. On va solutionner tel problème comment?
on crée. Eux, ils n'ont pas de problème. Plus ils n'ont même pas, ils ont tracé leur voie sur, je ne sais pas, du sable. Ils ne savent même pas marcher. Donc, quand l'Africain arrive, il dit, pour porter ça, l'amener en haut, comment je fais? On me demande de le porter. Ils réfléchissent, ils préfèrent trouver un appareil qui va le faire. C'est pour ça qu'on est inventif. Et ce sont les Africains qui ont tout créé, les voitures, tout ce. Et c'est pour ça que dans la difficulté actuelle, on doit justement être inventif. Revenons. J'étais en train de dire ceci. Oui. J'étais en train de vouloir démontrer par là que le problème, c'est ça. C'est-à-dire que nous ne nous plaçons pas à la situation de nous prendre en charge et de régler le problème nous-mêmes. C'est ça l'état néocolonial. Soyons concrets. Monsieur Ngos, quand tu as la guerre, parce qu'on va dire qu'il va avoir sur le plateau. Quand tu as la guerre, que fait l'État? L'État dit, prend un décret, martial et dit désormais, nous sommes dans l'économie de guerre. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, la production nationale est orientée vers la satisfaction des besoins de la guerre. Vous comprenez? De la guerre. Et la machine sociale et économique s'adapte dans ça. Vous voyez comment on résiste dans les guerres, M. Ngos. Nos pays ont vécu ça dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il y a la guerre, c'est pareil. Le Cameroun, actuellement, une grande partie, le Cameroun est absorbé par les défis sécuritaires. Et quand vous regardez les orientations budgétaires, vous voyez l'impact de ce défi-là. De ce, ça veut dire quoi, M. Ngos? M. Macron, et c'est moi raison de l'appeler Macron, qui est même pire que ça, a dit en France que nous sommes en guerre. Contre un ennemi invisible. Bon, les pays africains ne sont pas en guerre. Si moi j'étais à la tête d'un pays africain, je déclarais une loi martiale pour dire qu'on est en guerre. Bah oui. Je vais simplement réorienter l'économie, la machine sociale vers la satisfaction des besoins de cette guerre. Absolument. Et si vous le dites, oh mon Dieu, vous allez voir les ingénieurs sortir. Si moi, vous inventez ces choses-là, il est ingénieur. Oui. Vous allez voir les gens sortir, vous inventez des choses extraordinaires. On voit ça tous les jours au quartier. Les gens, le génie va sortir. Et pour ça, on va oublier l'Europe, M. Ngos. On va oublier l'Europe. Un autre aspect culturel, M. Ngos. On parle de la dépendance. Vous m'expliquez pourquoi quelqu'un peut garder 3 millions dans sa poche. 4 millions. Il travaille, 4, il garde 4 millions. Il va mourir au désert avec 4 millions. C'est paradoxal. Non, mais pourtant, c'est la vérité. Il faut qu'on pose les vraies questions. Je parlais, il y avait Paul là. Je parlais de ce monsieur que j'ai connu. Son père m'a laissé 12 taxis. Et il avait un emploi dans une structure informatique de la place. Il était très à l'aise, M. Ngos. Il a manipulé sa mère. Il a vendu les 12 taxis pour l'en Europe. Sa mère est dans la misère. Et en Europe, il est en train de errer. Ça fait 10 ans qu'il est parti. Il erre. Il a même honte de revenir. Je peux pas comprendre. Je veux dire que je l'ai. J'en parlais. Non. Absolument. Je ne peux pas dire que c'est un plateau. Vous voyez à quel niveau. Comment vous expliquez ça? Il y a un problème là. C'est grave là-dedans. C'est grave. Pendant ce temps, regardez un gars du Niger. Le Niger, là. Moi, ce sont mes voisins. Et je les ai observés très bien. Ça fait près de 30 ans que j'observe mes amis Nigériens. Ce sont mes amis, je les observe. Mais ces gens, quand ils viennent ici, tu sais ce qui se passe? Leurs frères, les anciens, ils prennent des morceaux de bois, ils fabriquent une caisse. On lui donne un marteau. La formation dure 6 heures. 6 heures. On lui apprend à faire ce que d'autres ont fait, à taper les chaussures. Il prend son truc, il marche. Au bout de 3 ans, ce monsieur a construit une maison chez lui. Vous pouvez venir dans mon quartier, je vous présente. Ils sont au moins, c'est une colonie. Je vous présente ce qu'ils ont réalisé. Je dis le Niger. Ouais, ouais. Le gars du Niger considère que le Cameroun, c'est un paradis. Et ils me le disent tous les jours. Mais mes frères camerounais préfèrent aller mourir au désert avec 5 millions. Monsieur Ngos, il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez les GAFA là? Allez voir les activités des Africains sur Internet. Observez. Oh là là. Vous allez comprendre pourquoi Senghor était adoré par les Blancs. Oh là là. Ah ouais. Quand Senghor a dit que l'émotion est nègre, ouais, les Blancs l'ont adoré là. Mais bien sûr. Internet confirme ça. Oh là là là. Quand vous regardez l'activité des Africains sur Internet, c'est l'émotion. C'est le riz. Le riz Goguena, même pas le vrai riz africain, parce que le riz c'est une valeur africaine. Je parle du vrai riz. Oui. Pas le riz là. Le riz Goguena, colonisé et néocolonial, le riz. La débauche, l'exubérance. L'exubérance. Vous voyez les enfants qui se lèvent dans ce nu sur Internet et présentent ça. Et font des grimaces comme des singes. Et il y a 100 000 vues. 100 000 vues. Les gens font des grimaces. Vous avez des influenceuses qui, matin, midi, soir, ont pour vanité, sur Internet vanité, d'enseigner comment on fait l'amour. Parce que bon, c'est poli. C'est la sauvagerie, en fait. Et elles ont des vues. 200 000 vues, 300 000 vues, tu les contrôles. Allez voir. Oh, ce sont ces gens que vous faites vous mettre en valeur. Les gars, on les met en valeur. Vous voyez que c'est pas hasard? Non, du tout. On les met en valeur justement pour justifier la théorie du singe, la théorie de l'émotion, la théorie du fait que l'Africain doit être consigné dans les tâches émotives. Il doit orner la vie du blanc pendant que lui se consacre à des tâches nobles, de raison, d'invention, de créativité. C'est ça!
Voilà pourquoi tu dis que c'est une bonne nouvelle. Il faut quand même que ces GAFA-là soient fermés. Il faut qu'on nous ferme ça. Parce que c'est une très bonne chose. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut qu'on arrive à un niveau SM pour que les Africains se ressaisissent, n'est-ce pas, et fassent la seule chose qu'ils savent faire, que leur génie ancestral a prouvé qu'ils savent faire, créer, protéger et sauver l'humanité. Merci, monsieur. Dans un instant, nous allons revenir avec vous. Permettez-moi de lire quelques messages de nos téléspectateurs qui, il faut le dire comme ça, ont eu des réactions sur notre page WhatsApp. Steve, bonjour à toi et au panel. Pas de honte, pas de peur à dire ce qui est. Je vous dis depuis quelques temps, vous avez mes vidéos, leur monde là. C'est la fin comme scoop. Depuis hier, l'armée a pris le contrôle des USA. Le président Trump donne un discours ce soir 21h sur Vox America. Le pape, et il faut le dire également, Clinton aux arrêts et les autres. Il y a 18 700 arrestations déjà en Europe, Asie, Amérique. Le temps joue en notre faveur. Soyons sereins. Le Cameroun a une chance. Le président Biya chez nous aussi. Il y a des GAFA. Il a anticipé pour leur tout nationaliser. Camtel est en cours pour éviter que demain Orange se trouve. Alors nous sert le coup de Twitter. Steve, réorganisez vos émissions libérées. Les Africains de l'aliénation de la mafia Khazar. L'histoire retiendra. C'est Ahmed qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour messieurs, l'Italie, depuis l'Italie, 20 avril, le vaccin devient obligatoire. Depuis l'arrivée des vaccins Pfizer le 28 décembre, 138 personnes ont été vaccinées. Ceci n'arrange guère le gouvernement. Je vous invite à regarder la vidéo de Ernest Tigori, non à la repentance de l'Occident sur l'Afrique. Monsieur, moi j'ai remarqué que même votre programme n'atteint pas les 500 visualisations. Ceci est un grave problème. Si les Africains ont le complexe de leur avenir en Europe, c'est le manque d'informations du contenu de leur territoire, le non-droit à la contestation. L'Afrique n'est pas gérée par ses propres présidents, mais par des corrompus qui se trouvent autour. Les traîtres de l'Afrique sont les parlementaires. Pas d'opposition à la sécurité, pas d'opposition sur le manque d'emploi, pas d'opposition sur le manque aux premiers soins, pas d'opposition qui dénonce la corruption, pas d'opposition qui conteste les traîtres coloniaux. Des traîtres coloniaux, de quoi débattent nos parlementaires camerounais alors que nous sommes à la risée du monde, la richesse de nos terres que nous vantons nous rend-il ignorants? Moi, j'ai peur pour nos campagnes. Ceux-là même qui sont les vulnérables, déjà, ils perdent leurs terres. Faut se réveiller vite, l'Afrique est encore au 19e siècle. C'est ce que nous dit Biagio qui nous écrit depuis l'Italie ce matin. Courage à vous et bonne émission à Tamalou Nyanta depuis Bamako, c'est au Mali. Là-bas également, on nous regarde tous les matins. Allons-y avec les messages. Bonjour Steve Ngos et son panel. Le président Banakani a tellement raison que ce qu'il dit est d'actualité. À partir du moment où certains Camerounais veulent que ce soit les étrangers qui doivent venir régler leurs problèmes du nord-ouest et sud-ouest, monsieur Tou à Ifoulane, à Yaoundé précisément. Encore des messages. Bonjour Dibié, ce matin, il y a tous sur le plateau. Très bien parlé, président Banakani. Au sujet de ces présidents occidentaux, de pacotille qui rêve menacer notre président Paul Biya, qu'ils viennent, nous les attendons. Franchement, Steve, le thème du jour m'amuse tellement pour la simple raison qu'en réalité, nous faisons face à des néo-Hitler sanguinaires par excellence. Vous parlez de carnet de vaccins Covid. Après, ce sera le carnet d'autorisation respiratoire. N'importe quoi. J'ai une question. Où est passée la chloroquine? Pour ce qui en est de vos interdictions, je n'ai rien à foutre avec vos multiples comptes diaboliques. Pourquoi vous avez tué Kadhafi? Vous pensez que nos ancêtres vivaient comment? Sachez que Dieu ne gère pas vos sales menaces et moi de même. Vous n'avez créé aucun pays, c'est la création de Dieu seul. Donc au diable vos chantages. Bonne journée à tous dans la paix du Christ. Saint Jimmy, Stéphanie depuis PK16 ce matin. Merci également et c'est une fidèle télé-sésartiste qui nous a d'ailleurs rendu visite. Bonjour monsieur Ngos, recevez tous mes voeux, les meilleurs points en cette nouvelle année 2021. Bonne année également à vous. Très belle intervention de mon maréchal, le président Banda Kani. Bonne continuation à vous. C'est épouse Nguesse qui nous écrit depuis Douala, ici même, au Cameroun. Encore des messages. Machiavel, voilà un Chinois camerounais. Merde, Steve, c'est vrai ça? Bon, il a une carte nationale d'identité camerounaise. Après, la traite des Noirs, maintenant, c'est le vaccin qu'on veut nous imposer. Merci, c'était pas le sujet, mais bon, c'est toujours bien quand même d'en parler. Spécial bonjour à vous, monsieur Steve Ngos, et à tous vos invités de DBS à matinale. Je suis vraiment ravi de votre panel de ce matin. Waouh, mon président Banakani, vous êtes un génie. Grand merci à tous. Très bonne journée à vous. C'est Rigobert Godin qui nous écrit depuis Paris ce matin.
Bonjour Dibier, ce matin, bonjour le panel. L'Afrique a besoin de nouveaux types d'Africains. Pour ce faire, il faut changer le système éducatif issu de la colonisation qui vise à nous assimiler, nous aliéner. La plupart des Africains font du suivisme moutonnier. Le président Banakani disait, lorsque l'ennemi est au sommet de sa puissance, toutes les conditions de sa chute sont réunies. L'oligarchie internationale fait une overdose de puissance. L'Afrique devrait se saisir de cette opportunité majeure pour se fixer son propre paradigme. Je suis du NMP, c'est Stéphane Sullivan Onana, depuis Bruxelles, c'est en Belgique. Salut. Et bien le président, vous salue également, hein, quand vous avez fait l'occasion en tout cas de lui dire bonjour également ce matin. Bonjour Steve, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Il fallait les grands panafricains comme vous pour sauver le nouvel ordre, nous sauver du nouvel ordre mondial. C'est Sondio Armel Cédric depuis Douala, précisément à Deido ce matin. Merci également à vous, hein, depuis Deido, un quartier que j'aime bien. Bonjour Monsieur Ngos, un grand bonjour à mon président Banakani, à Monsieur là, Monsieur Simo. Monsieur Ngos, il faut créer notre Facebook, WhatsApp africain pour faire développer notre Afrique. L'ENAM, c'est le néocolonialisme dans notre pays parce qu'on forme des voleurs qui sucent notre nation. Merci à vous également. Bonjour, le monsieur qui parle de Dieu ne maîtrise pas le sujet qu'il parle. Comment faire pour participer à l'émission? Je suis pasteur et directeur exécutif de l'association des droits de l'homme. Je serai heureux pour participer à votre émission. C'est ouvert, vous n'avez qu'à m'appeler. Je vous donnerai mon numéro de téléphone et comme ça, justement, vous viendrez nous parler justement de ce que vous connaissez. Il existe des institutions africaines qui ne sont que des caisses de résonance pour ces occidentaux. J'ai cité l'OUIA, CEMAC et autres. Comment sont-ils excités de soutenir un génocide de leur population inoffensive? C'est quelqu'un qui nous a écrit avec le plus 242 et n'a pas laissé son nom ce matin. Bonjour DBS sur le plateau. Le plus pire, c'est que les Blancs, il faut le dire comme ça, ne font pas chez eux, c'est ce qu'ils viennent faire ici par le soutien de nos institutions. L'Afrique peut avoir aussi des réseaux sociaux. Unissons-nous en Afrique. C'est Kossi qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Tellement de messages. Si le vaccin des Occidentaux est un piège, alors les Africains doivent choisir le vaccin russe qui ne présente aucun danger. C'est Biteng Daniel qui nous écrit depuis PK12. C'est Ngonjo, c'est son quartier. C'est ce qu'il nous dit. C'est une alternative en tout cas. Merci également pour cette participation. Bonjour Dibier ce matin. Juste remercier le plateau et vous encourager. Je voudrais si possible le rapport d'hier matin. Célestin de Lomé, c'est le rapport Kissinger. Mais s'il faut également vous l'envoyer, c'est un rapport de plusieurs centaines de pages. Vous allez cotiser l'argent. Je vous l'envoie. Bon, on me tape peut-être dans le groupe WhatsApp, hein, de DBS. Bonjour Steve, donc DBS, bonjour Bandakani et compagnie seront suspendus de WhatsApp, Facebook, Twitter. Oui, mais si nous sommes suspendus, tant mieux. Si je m'en tiens à ce que vous dites ce matin, pour la riposte contre les passeports vaccinales, faisons comme 3A le souhaite tous les jours, fermons nos espaces aériens aux occidentaux et personne n'en mourra. Nous ne sommes pas obligés d'aller en Europe de l'Ouest pour exister sur cette terre. Bon Dieu, monsieur Steve, ces gens-là doivent être en connivence avec Eneo. Dès que le président André Bandakani parle, commence à étaler leur tard, le courant s'en va pour nous empêcher de nous informer. Ils font d'ailleurs d'autres choses, hein. Il y a d'ailleurs plusieurs qui nous écrivent pour nous dire qu'ils ne nous reçoivent pas ce matin. Donc, c'est toujours, on va dire comme ça, un complot. Bonjour le panel, je pose la question à M. Bandakani. Crois-tu que Dieu est toujours au contrôle de sa création? Oui, il est toujours au contrôle de sa création. Moi, je vous réponds. Moi, je le crois. Ce que nous voyons sont des signes du retour de Jésus. C'est Séraphin de Baganté. M. Simo doit croire à Jésus. Bon, il sourit, alors c'est pas moi qui l'ai dit. Bonjour DBS TV, ma chaîne préférée matinale. Monsieur Bandakani, vous parlez très bien et j'ai beaucoup d'admiration. J'ai une préoccupation dont je suis un peu gêné par des contradictions que vous affichez sans état d'âme. Vous parlez clairement de ce qui se passe ailleurs et ce qui est dans votre propre pays. Vous fermez les yeux. C'est décevant, c'est Ngamaleux qui nous écrit à Yaoundé. Je pense pas que c'est le bon moment. C'est pas important. Bonjour à tous sur le plateau. Je suis tellement en colère de la réaction de la jeunesse africaine. D'ailleurs, hier, j'ai commencé à recevoir les messages de mise à jour et drôlement, je publie ce message sur mon statut WhatsApp. Tout le monde me répond, nous, on va seulement accepter. À chaque fois, j'ai cette idée de commencer une lutte, mais des jeunes comme moi me découragent. Parfois, tu ne peux t'exprimer au milieu des gens si inconscients de la situation et très immatures dans leurs pensées aliénées. Où va-t-on? Qui sommes nous réellement, à quand le regard sur notre avancée? C'est Syriane Isso qui nous a écrit ce matin. Eh bien, vous devez le savoir, quand on prend l'initiative de combattre pour toute la Terre, alors pour toute l'Afrique, parfois
on a à côté de soi ses propres ennemis. Bonjour Steve, c'est Kader depuis Lomé au Togo. Veuillez m'ajouter à votre groupe WhatsApp. Merci. Merci également à vous Kader depuis Lomé au Togo. Bonjour et merci pour les infos. C'est toujours quelqu'un qui nous écrit mais qui n'a pas laissé de nom. Bonjour, c'est Madame Dalatou depuis Kousséri. Les Européens ont vu, les Africains sont nombreux. Ils ont créé leur vaccin pour nous éliminer. Je dis bonjour à mon grand frère, le président Banakani. Que Dieu le protège et qu'il lui donne une longue vie pour continuer à sauver ses frères africains. Eh bien, c'est Madame Dalatou depuis Kousséri. À vous également, nous vous disons bonjour. Le rapport, s'il vous plaît aussi, je veux intégrer le groupe. C'est Kossi depuis le Togo. Merci également. Franck Olivier nous a écrit bonjour Steve et à tous. Et tous ces plans orchestrés par ces puissances pour déstabiliser l'Afrique sont déjà démantelés par les Africains non au vaccin. Ils pensent qu'ils pourront nous exterminer. De la sorte, ils sont passés à côté. C'est Franck Olivier qui nous écrit ici même, à Douala. Il y a encore une trentaine de messages et des gens qui nous appellent. Ce n'est pas le jour des appels. Le jour des appels, c'est le dimanche à partir de 14h dans le cadre de Feu Vert. Monsieur, encore 25 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, messieurs, chantage vaccinal, interdiction aux réseaux sociaux, aux voyages et autres exclusions sociales. Faut-il se soumettre pour survivre? En tout cas pour vous, Simon D, jusqu'à preuve du contraire, les réseaux sociaux, les voyages et autres exclusions social, ça ne vous concerne pas. Monsieur Ngos, je suis au Cameroun, en Afrique, au paradis. C'est vrai que c'est le paradis pour aller en enfer. Oui. Ceux qui sont en enfer, ils se chargent. Mais cependant, je voudrais dire à ceux qui sont en enfer, oui, on est en train de préparer un couloir par lequel ils peuvent venir au paradis. Vous et je vous avez accepté à la réunion des experts. On a développé une stratégie où les Africains, dans un an, ils peuvent reconstruire totalement l'Afrique sans demander un centime à qui que ce soit et rentrer en Afrique étant heureux. Je vais essayer de, avec votre permission, développer pour que les gens comprennent. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on... Vous avez la parole. Voilà. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du programme panafricain pour le développement du continent. Il s'agit de quoi? Il s'agit de sensibiliser les Africains de la diaspora. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer en Afrique? C'est-à-dire que si tous les mois, ils cotisent 100 euros dans un compte qu'on va ouvrir à leur intention. Ce n'est pas le demande que ça arrive, parce que dans chaque pays, on est en train de mettre en place des experts pour chaque spécialité. De sorte que ce sont eux qui décident. Dans chaque nation africaine, dans les 154 nations africaines. Oui. Et les gars de la diaspora, toutes les spécialités dans la diaspora, ils s'organisent en structure opérationnel, c'est-à-dire par spécialité. Maintenant, ils réfléchissent sur des projets bien précis. Au bout d'une année, on organise une fois panafricaine dans un pays choisi africain. Chaque année. Chaque année, les gens viennent, ils se réunissent, on fait une assemblée générale, il y a une foire industrielle, économique et tout et tout. Tous les gens qui ont inventé, qui ont créé quelque chose, on voit leur programme, on finance, on produit, on distribue dans tout le continent africain. Pour la simple raison que depuis le 1er janvier, il y a la zone du libre-échange qui est déjà rentrée en jeu. Il faut zone de libre-échange économique, oui. S'incruster là-dedans. Et ça, je dis, les experts vont décider. Si on crée une compagnie aérienne, les Africains sont capables de construire des avions. Si on crée une compagnie maritime. Créer des voitures, fabriquer. On fabrique des voitures, on les développe, on distribue dans toute l'Afrique. Et après, on met en place une banque panafricaine qui met en place une monnaie africaine parce qu'il faut sortir de cette dépendance. Et je sais que les Africains peuvent le faire. Si à, imaginez dans ce prix, s'il y a 2 millions d'Africains qui coûtaient 100 euros tous les mois, imaginez ce que ça peut faire. Et maintenant, pour sortir de l'éducation, dans chaque région, les quatre régions de l'Afrique, de la 6e, par exemple, de la 6e jusqu'en 3e, on enseigne une langue de la zone. De la 3e jusqu'en aux universités, on enseigne le swahili. Ça permet que les gens communiquent entre elles et les barrières vont tomber facilement. On va quitter et l'anglais, et le français, et l'espagnol. Qui crée autant de problèmes en Afrique? Parce que les divisions en Afrique, ce sont les langues étrangères. Il ne faut pas également oublier qu'on enseigne déjà le chinois. Non, ça, il faut évacuer ces conneries, parce que ça ne nous intéresse pas. Et l'arabe, hein? On n'est pas des chinois ni arabes. Donc, il faut revenir à l'Afrique pour qu'on communique dans nos langues. Avec ça, on va quitter les guerres. Voyez le problème de nos eaux. C'est l'anglais qui nous pose problème. Est-ce que l'anglais, c'est notre langue? Quelqu'un dit, je suis francophone, l'autre dit, je suis anglophone. Vraiment. On ne va jamais vous donner un passeport anglais ou bien français. Il faut rentrer dans la culture africaine. Je suis navré d'entendre toutes ces histoires chaque jour. Donc, bientôt, on aura des émissions
qui vont parler que de ces histoires dans toute l'Afrique et on va échanger pour que les experts prennent cette chose en charge, parce que c'est sûr que le promoteur, je ne sais pas, le décideur, il prend en charge et il réoriente. Déjà, vous êtes dans la structure de la charte qu'on est en train de mettre en place, parce qu'il faut que une charte existe qui explique exactement le cheminement de toute cette histoire. Voilà à peu près ce qu'il y a. Et je peux vous dire, M. Ngos, depuis qu'on est en train de parler de cette histoire, plein d'Africains de la diaspora sont en train d'appeler chaque jour. Ils sont même prêts à mettre de l'argent. Mais je dis que moi, je n'ai pas de compte pour qu'on mette de l'argent. Ce n'est pas mon argent. Il faut attendre qu'on organise tout et tout pour qu'ils mettent de l'argent dans le compte. Parce qu'il n'est pas question qu'un centime sorte de là pour faire autre chose en dehors de ce qui a été programmé. Voilà à peu près le programme qu'on est en train de mettre en place. Et puis, bon, on attend que les gens réagissent pour qu'on voit comment on peut découler en Afrique avec tout ça. Paul, et là, finalement, peut-on vivre, hein? Bon, vous nous avez fait savoir qu'on peut vivre justement sans voyager, sans aller justement du côté de l'étranger, précisément en Europe ou encore aux États-Unis. Vous nous faites savoir également qu'on peut vivre sans la télévision, on peut vivre sans téléviseur et sans les réseaux sociaux. Et ainsi, on sera justement à l'abri de toutes ces choses, hein, de ce fascisme, ce nazisme électronique aujourd'hui, on va dire numérique. Absolument, il faut s'en défaire, Steve. Il faut s'en défaire. Rappelons que les méthodes et les époques changent. Oui. Mais les prédateurs, les victimes et les objectifs ne changent pas. Ce sont ces mêmes occidentaux, même si aujourd'hui on nous dit non, ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Mais en réalité, ils visent les mêmes objectifs, ils ont les mêmes combats, ils ont les mêmes préoccupations, ceux relatifs à leur survie. Et la survie, ça veut dire dans une jungle, qu'est le monde, quitte à sacrifier ma proie, oui, ou tout ce qui est autour pour survivre, il n'y a pas d'état d'âme. La Lomidine à l'est, ça a fait des centaines de milliers de morts. La Lomidine, oui, qui était un médicament supposé combattre et lutter contre la maladie du sommeil. C'est des injections qui étaient reçues par des centaines de milliers de populations. C'est l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas l'histoire d'ailleurs. Et ça ne fait pas encore 50 ans là. C'était fin des années 50, 50-60. C'est documenté. Il y a d'ailleurs un Français qui a écrit un livre là-dessus, Le Marshall. Il faut le chercher. Des centaines de milliers de morts du fait d'une vaccination dont le contenu médicamenteux était reconnu et établi par le corps médical comme étant nuisible pour pour ceux qui recevaient ce vaccin-là. Ce vaccin a été inoculé à des centaines de milliers de populations dans l'est du Cameroun, notamment à Yokadouma, en connaissance du caractère nuisible de ce vaccin-là. L'objectif, c'était quoi? C'était de décimer les populations. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un programme de stérilisation organisé aux États-Unis visant les femmes noires. On a connu un certain nombre de tueries planifiées, organisées, destinées pour les peuples africains et noirs. On a eu le napalm à l'ouest. On a eu... j'oublie le nom, on en parlait hier avec Bandakani. On a eu en Afrique, en tout cas le nom m'échappe, mais on a eu en Afrique une série de massacres comme ça, de tueries organisées par, oui, les esclavagistes, par les colons, dans pratiquement tous les pays qui ont subi cet esclavage et cette colonisation. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que les objectifs de ceux qui menaient ces tueries et ces massacres organisés ont changé? Pas du tout. Est-ce que leur instinct de survie a changé? C'est exactement le même. Et les populations ciblées que constituent l'Afrique et les Noirs en général restent le privilège de ces prédateurs-là. On nous parle de vaccins. Mais tous ces gens qui ont privé l'Afrique, qui ont spolié l'Afrique, qui continuent de spolier l'Afrique, qui ont massacré les Africains, qui ont massacré les Noirs et qui continuent de le faire. Je dis bien que c'est la forme qui a changé, qui change. Le fond n'a pas changé. Et l'époque, le fond ne change pas. À l'époque, on avait de façon ouverte des Noirs qui étaient discriminés aux États-Unis. On avait des tueries qui étaient ouvertes. On les pendait, on les mutilait, on leur coupait des membres et ainsi de suite. Aujourd'hui, le toilettage n'a été fait que sur le plan
juridique sur le papier. Mais le Ku Klux Klan de l'époque qui chassait ouvertement les Noirs et qui était pensé, qui a été créé par les démocrates, hein, le Ku Klux Klan, les démocrates américains aujourd'hui qui se présentent comme les amis des Noirs et les amis des causes, les voix des sans-voix. Le Ku Klux Klan, qui est une organisation terroriste officielle, qui a prospéré dans les années 50, 60. Pendant les combats civiques, pour les droits civiques. Pour les droits, pendant la lutte pour les droits civiques des Noirs, est le fait des démocrates. Ça a été fondé par les démocrates. Et Joe Biden, que vous voyez là, quitte à ce qu'on me bloque sur Facebook et on sur. S'en fout. Joe Biden, que vous voyez, était. Était, parce que le monsieur est décédé aujourd'hui, c'était un sénateur démocrate également, était un proche, Robert quelque chose, était un proche d'un des piliers caciques du Ku Klux Klan. Il l'a dit le jour de ses obsèques, c'était un ami et c'était un mentor. Joe Biden l'a dit. Aujourd'hui, on le présente comme celui qui aime les Noirs. Faut que les Africains et les Noirs arrêtent. N'est-ce pas lui qui avait déclaré haut et fort qu'il n'accepterait jamais stupide. Que son fils aille dans une école où il y a un Noir et qu'un Noir ne pourrait pas entrer dans une école où se trouve son fils. Absolument. Il a dit également. Vision. Et d'ailleurs, on a repris ses propos. Et il a dit également lors de la campagne électorale. Et il a dit également que pendant la même campagne électorale, qu'un Noir qui ne le vote pas n'est pas un vrai Noir. Donc, je crois que les formes nouvelles de Ku Klux Klan, c'est les antifas. Mais exactement, Black Lives Matter, c'est quoi? Où on fait croire aux Africains que c'est pour eux? Ça fait rire. Mais c'est Georges Soros qui finance, c'est Black Lives Matter et tout le reste. Raffiné. Donc, c'est les formes qui changent. Aujourd'hui, le Ku Klux Klan, ce n'est plus des cagoules blanches, c'est des policiers. On a modernisé. C'est des policiers, c'est modernisé. Donc, c'est des policiers blancs qui traquent les Noirs, ainsi de suite. Donc, mon message est clair. Que les Noirs, que les Africains arrêtent la naïveté. C'est le plus affligeant. Et que nous nous concentrions sur nos vrais combats. Arrêtons les divisions internes là. Oh, tel parti politique, oh, tel. Vraiment, le président a fait ci. Mais c'est de la distraction. Le vrai combat est ailleurs. Voilà une opportunité pour l'Afrique de sortir la tête de l'eau, d'émerger en acceptant et en accélérant même ces sanctions-là, ces privations, ces exclusions sociales-là. On doit même accélérer ça en disant, oui, on ne veut même plus de vos réseaux sociaux, on ne veut même plus voyager, on ne veut plus ainsi de suite. Et en créant les conditions économiques, sociales et culturelles qui permettent qu'on puisse se replier sur nous-mêmes, on n'en souffrira pas. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Et j'aimerais terminer avec une pensée de Martin Luther King que je vais paraphraser, qui disait que le problème n'est pas qu'il y ait le mal et qu'il y ait des gens qui fassent le mal. Le problème, c'est qu'il y ait des gens de bien qui ne fassent rien. Le problème n'est pas qu'il y ait le mal ou des gens qui fassent le mal. Le problème est qu'il y ait des gens de bien, mais qui ne fassent rien. Donc, intellectuels, chrétiens, hommes de liberté, c'est le moment de voir l'action des hommes de liberté qui se disent démocrates. Où sont-ils? Et c'est justement la grande interrogation. Voilà la question qu'il faut résoudre. Eh bien, je vous donnerai justement la pensée. Hein. Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent. Merci. Sans rien faire. Exactement. Revenons justement avec vous, hein, président Bandakani. Merci. Sur ce qui nous intéresse d'ailleurs, hein, pour terminer, sortons justement de cela avant de terminer en lisant les messages de nos téléspectateurs ce matin. Enfin, chantage vaccinal, celui qui voudra voyager se fera justement vacciner contre le coronavirus, que vous le vouliez ou pas, ce sera comme ça dans les jours à venir. On parle d'interdiction au voyage, ça signifie tout simplement que vous devez avoir un passeport vaccinal, exclusion sociale, on comprend déjà que sur les réseaux sociaux, si vous parlez mal de Joe Biden, eh bien, vous êtes catalogué. Si vous parlez bien de Donald Trump, vous êtes également catalogué. Si vous dites que Hitler était Jésus-Christ, vous êtes également catalogué. Finalement, on n'est pas libre. Président Bandakani. Les gens vont faire la politique de l'autruche, ils vont mettre leur tête sous le sable, ça ne changera rien. Nous sommes en plein global socialisme. Oui. Hitler, c'était le national-socialisme. Et ce sont eux, les Khazars, les 13 familles, les Jésus, là, qui nous ont dit que le mal que l'humanité a connu depuis, c'est Hitler. Que la figure de Satan, c'est Hitler. Moi, je n'ai pas cessé de rappeler ça. Nous avons cru. On a enseigné ça à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
que mais ceux qui nous ont dit que Hitler était le mal en personne récupèrent, se réapproprient les méthodes de Hitler et vont plus loin que lui. Et vous voulez que nous continuions à parler d'un Hitler qui est mort? Nous, on voit les Hitler devant nous. Les Biden, ce sont des Hitler. J'espère que l'histoire qui est en train de se passer aujourd'hui sera écrite également dans les livres. Mais clair, ça sera écrit. Les Joe Biden, les Macron, toute cette élite-là, le pape et les tous ces gens-là, ce sont des Hitler. Moi, je dis la vérité. Ce sont des Hitler. Qu'on ne parle pas d'un Hitler qui est déjà enterré depuis qu'il est foutu. Nous, on a pu aller par les vins, que l'on vraiment l'a fait, là, il a été mauvais. Chacun a dit que l'on vraiment, il faut tout faire que ton enfant ne ressemble pas à Hitler. L'Allemagne a été condamnée. Tout ça, ils ont traqué tous les nazis jusqu'au dernier qui s'est caché en Amérique latine. On allait le chercher. Mais tout ça pour faire quoi? Pour faire quoi après? Pour nous servir du global socialisme? Monsieur Ngoz, c'est quand même terrible, monsieur Ngoz. La réincarnation de Hitler. Ils sont même pires. Ils sont pires. Vous comprenez? Donc nous sommes en plein social, global socialisme. Il faut le dire. Et tout à l'heure, et ça veut dire, ça veut aussi impliquer autre chose. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit là, quelqu'un a appelé ça, j'ai toujours dit ça. Chaque fois que l'ennemi est au sommet de l'arrogance, sa chute est proche. Mm. Ça, c'est clair. Et on voit, ils sont au sommet de leur folie, leur chute est proche. Ils ont créé de la mer rouge avec tous les crimes qu'ils ont commis, les enfants qu'ils ont détruits, les crimes de guerre qu'ils ont fait partout, les peuples qu'ils ont décimés, les pays qu'ils ont détruits. Il y a une mer rouge qu'ils ont créée. Eh bien, c'est eux qui vont tomber dedans. Dieu va les plonger. Le vrai Dieu auquel moi je crois profondément, il va les noyer dans la mer rouge que eux-mêmes ils ont créé par leur crime qui dure depuis des millénaires, monsieur Ngoz, et qui est en train de culminer aujourd'hui dans cet esclavage éternel qu'ils vont nous imposer avec leur décision de nous transhumaniser. Alors il faut quand même poser la question. Mais les gens parlent de démocratie, bon sang, monsieur Ngoz. Vous voulez faire passer les gens de l'humanité à la transhumanité sans leur avis? Vous parlez de démocratie. Mais ces gens ont été un seul jour démocrate. Ils savent ce que ça veut dire? C'est même quoi démocrate? Mais ils n'ont jamais été. Ils savent ce que ça veut dire. C'est même quoi? Comment vous pouvez décider que nous, on va passer de l'humanité à la transhumanité? C'est quand même une décision quand même très grave. Mais demandez notre avis. Ne nous piégez pas à travers un vaccin. Ne pas piéger les gens. Depuis 30 ans, on piège l'humanité. Depuis 50 ans, on nous piège. Avec les programmes de vaccins qui avaient pour but d'arriver à ce vaccin. C'est la démocratie. Tous les projets qui ont été faits depuis 50 ans, c'était pour arriver là où on est aujourd'hui. Absolument. Les guerres, pour arriver à cette guerre globale. Tout ce qu'ils ont fait, les systèmes économiques internationaux, c'était pour arriver à ça. Mais c'est quand même grave. Que les gens élaborent à ce niveau le crime, à ce niveau, ça veut dire que vous avez affaire à Satan lui-même qui est devant vous. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas de concession à faire à Satan. On ne fait pas de concession à Satan. Un être humain ne fait pas de concession à Satan parce que Satan est ton ennemi. Son projet, c'est anéantir. Et toi, tu dois l'anéantir ici. Et dans cette bataille, nous avons pour allié Dieu. Celui qui demande si Dieu s'occupe de nos problèmes là. On a pour allié Dieu. On a pour allié Dieu. Et souvent, on n'a même pas besoin de l'appeler. On a besoin de l'appeler. Tout ce qu'on voit là, vous ne voulez pas dire de voir la main divine. Quand les yeux des Africains s'ouvrent comme ça là, les gens que nous on réveillait, on prenait pour le parangon de la civilisation. Quand on voit les États-Unis dans la nudité de leur putréfaction, mais qui aurait pu imaginer ça hier? Mais vous voulez que Dieu parle comment? Il n'y a rien à faire, ils ne sont rien. Meilleur message. Nos yeux sont dessillés, monsieur Ngoz. Le voile est tombé. Le voile a été déchiré. Il est tombé. Mais ça, c'est la main divine. Vous voulez que Dieu agisse comment? C'est une question. Ils seront balayés, ces gens-là. Ils seront balayés. Nous sommes à la fin de la société internationale. Ce monde international global qu'on a voulu imposer et qui sont derrière. Les Rothschild, monsieur Ngoz, ces 13 familles jésuites Rothschild avaient en tête le Vatican. Je ne parle pas des catholiques, qui croient au Dieu qu'il veut. Je parle de ce qu'on appelle Vatican. C'est un monstre, le Vatican. Et c'est eux qui sont derrière tout ça. C'est, donc, on est à la fin de leur cycle. La société internationale, c'est ça qui est en train de s'effondrer. On va retourner tout à l'heure. Et Simon l'a dit, et là j'ai compris avec ça, il a dit tout à l'heure. Tout ce qu'il a cité là, nous on appelle ça la démocratie des communautés. Achille Mbembe aussi parle de ça. Je ne partage pas ses orientations, mais c'est un brillant intellectuel, il faut le respecter. Je ne partage pas ce désaccord avec lui parce que son internationalisme là l'amène à. Achille Mbembe. Oui, à entrer partout. Et lui, il est en train de voir la fin de ce rêve, cette rêverie internationale. On voit à quoi ça aboutit, mais il a parlé de démocratie des communautés. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qu'il est en train de dire. La société internationale, c'est terminé. Nous allons retourner dans les territoires nationaux avec les communautés qui se prennent en charge. Ces histoires de république centralisées avec la tête des gens qui ont tous les pouvoirs, c'est terminé. Que les gens peuvent rêver, hein, mais c'est terminé.
C'est fini là. C'est fini la globalisation. C'est fini la mondialisation. Qu'ils aillent en enfer avec tout leur projet de mondialisation, avec leur technologie. Qu'ils fichent le camp avec ça, l'humanité, monsieur Gauss. Je vous dis là, on est en train de retourner vers la vie des communautés où les gens vont se prendre en charge. Et en la matière, l'Afrique n'a de leçon à recevoir personne, puisque c'est la terre originelle de la démocratie des communaux, des communautés. Merci beaucoup, messieurs. Permettez-moi de lire des messages et puis nous concluons cette édition de DBS Matin. Bonjour les éclaireurs de l'Afrique. Je vous souhaite une très belle et lumineuse année 2021. Une année pleine de réussite, de succès et beaucoup de joie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais j'étais en voyage ces deux dernières semaines. Je reviens sur ma demande. Je sollicite de votre part la version PDF des accords monétaires du franc CFA et les accords coloniaux via WhatsApp. Je ne fais pas partie d'aucun groupe WhatsApp. Fan Club de DBS, s'il vous plaît, aidez-nous à tenir les débats avec ces accords. Sinkaora depuis Lomé au Togo ce matin. Allons-y avec des messages. Bonjour DBS, merci pour tout ce que vous faites et que vous donnez comme connaissance chaque matin. Polela a fait une démonstration superbe sur Jésus ce matin. C'est Aldo Kanze qui nous écrit depuis Porto Novo au Bénin. Allons-y. Bonjour DBS et bonne année. Je voudrais savoir pourquoi Edmond Kouyaté a dit sur votre plateau que son excellence Paul Biya est une internationaliste parce qu'il protège nos mines et va sur une chaîne concurrente Equinox déclarer que le Cameroun se développera 3 ans après le départ du président. C'est son droit le plus absolu, ça il faut le dire. Bonjour Steve, bonjour le panel. Je ne cesserai de vous remercier pour le travail que vous abattez chaque jour et je prie le Dieu Tout-Puissant de vous donner une santé d'acier. S'il vous plaît Steve, puis-je avoir le rapport d'Henry Kissinger? C'est DEC depuis Adakpamé, Lomé au Togo. Allons-y toujours avec des messages. Bonjour DBS, bonjour à tout le panel. Monsieur Steve, monsieur Banakani nous dit tout. Monsieur Simo dit tout. Même nous restons bouchés. Merci au panel de nous décourager. Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Vous êtes les éducateurs. Merci encore. Bonne journée à vous. C'est André Marie qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Et apparemment, tout au long de cette journée, eh bien, toute l'Afrique est avec nous. Bonjour DBS, merci de nous édifier tous les jours. Pour ma part, je pense que c'est une bonne chose pour nous Africains de rester dans notre continent. Cela nous poussera à consommer rien que nos produits. C'est l'Erare et le panafricaniste. Mais il ne nous a pas dit d'où il nous écrit ce matin. Bonjour les guerriers d'Afrique. Dieu est avec vous. Je n'ai pas eu de rapport qui et le numéro du président Banakani, merci, c'est Assunta qui nous écrit depuis le Cameroun. Bonjour DBS Matin, moi je pense que les responsabilités sont partagées selon qu'on est démocrate ou républicain. J'en veux pour preuve l'invasion de l'Irak par Bush Junior quand il a suicidé à Clinton en volant au passage la victoire de Al Gore avec l'aide du frère Jeff Bush, alors gouverneur de la Floride. C'est le même genre, c'est mais il faudrait d'ailleurs déclarer hein, quelque part que George Bush fils venait pour finir le travail que George Bush père n'avait pas fini, il faut le dire, avec l'opération Tempête du désert en 1991. Cette information, je vous la donne. Bonjour, monsieur Ngossi et tous les panélistes. Pour le côté technique du vaccin, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui nous traitent de complotistes. Il est mentionné sur le site de Pfizer que 41 135 participants aux essais cliniques du vaccin ARN ont eu leur seconde dose le 13 novembre dernier. Selon leur explication, les anticorps se développent 2 mois après, ce qui veut dire que ce n'est qu'en fin février, qu'on peut savoir si le vaccin fonctionne. La question qui se pose est de savoir sur quelle base Pfizer a affirmé que leur vaccin fonctionne à 95% en octobre dernier. Que les grands doctorants nous expliquent. Bonne journée, c'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Et puis vous ne pouvez pas créer un vaccin et vous apporter votre fiche technique et c'est ça qui fait foi. Il faut un débat scientifique digne de son nom, qui est tranché après. Voilà pourquoi il demande justement aux gens de venir discuter justement à ce sujet. Bonjour mon cher Ngos, avant qu'on connaisse DBS, avant de connaître DBS TV Afrique Média, je regardais les TV5, RFI France 24, je pensais qu'ils étaient impartiaux, mais avec l'assassinat de Kadhafi, je me suis aperçu que c'était des médias à la solde d'une oligarchie. Banakani devrait être moins dur avec les Africains, car beaucoup n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux et votre travail est vraiment extraordinaire. Vous n'avez pas conscience. Votre travail porte son fruit et les gens commencent à voir le bout du tunnel. Merci pour tout ce que vous faites et soyez bénis. Que les ancêtres veillent sur vous. C'est une personne qui nous écrit depuis l'Allemagne ce matin. Bonjour l'équipe, bonjour DBS Matin. Je suis d'accord avec l'introduction du brillant Bandakani qui défend et dénonce très bien la mascarade et la dictature qui se passe ailleurs et mes soutiens. Il ose dire qu'au Cameroun, il y en a un exemple de démocratie alors que nous voyons tous la dictature et la mauvaise gérance du Cameroun depuis quelques années. C'est Eric Noah qui nous écrit le plus 232 ce matin.
Toujours quelqu'un qui nous envoie un voice. Non, on ne peut pas suivre les voices ici. Bonjour à mon président Barakani. Beaucoup de courage, qu'Allah te protège. Depuis des années, j'écoute tes efforts. Les Américains ne peuvent rien faire à notre président Paul Biya. Ils ne peuvent rien. Ils sont petits. Merci, c'est Adja. Depuis Douala ce matin. Faut-il céder pour survivre? Nous ne céderons pas, mais nous vivrons. Je voudrais militer dans le NMP. Pourriez-vous me mettre en contact avec le président Bandakani? C'est Ngangé Roland qui nous a écrit ce matin. Des messages, il y en a encore 28 au total. Je ne pourrais pas les lire tous. Simon D, votre mot de fin. En quelques secondes, en une minute. Tout pouvoir à un matin et un soir. Un soir. C'est la conclusion, je n'ai pas grand chose à dire. Tout pouvoir un matin et un soir. Paul est là, votre mot de fin. Sortons de l'aliénation, sortons de l'aliénation culturelle, politique, économique, et cette mise en quarantaine et ce chantage, par ce chantage vaccinal est une occasion en or pour les Africains de s'assumer, de commencer par penser par eux-mêmes et de définir leur propre chemin. Je vais lire ce dernier message. Bonjour à vous, monsieur Steve. Ce chantage sur le vaccin est une nouvelle opportunité incroyable pour les Africains. L'occasion de faire la rupture tant attendue pour définitivement renforcer la fondation de la nouvelle Afrique. Bonne émission, c'est Justin Merlin Woss qui nous a écrit. Président Bandakani. L'humanité est trop... quelque chose de trop grand. Oui. Pour que... les criminocrates et les nazis globaux, les globaux socialistes puissent s'en accaparer, détruire et façonner ça à leur image. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas créé l'humain. Ils n'ont créé aucun pays sur cette terre. Ils ne sont pas l'origine de la création. C'était un moment de l'histoire. L'histoire des mystères qu'on n'explique pas toujours, 300 ans de domination de ces 13 familles, des jésuites, des Khazars, des Rothschild, leur domination est terminée. Les gens confondent la fin de leur domination et la fin de l'humanité. Ces gens seront balayés par l'histoire et ils vont se retrouver là où ils doivent être, dans les poubelles où ils ne devaient jamais quitter. Merci beaucoup Péla d'avoir été là ce matin. Merci à vous Président Bandakani, merci également à Simon D ce matin d'avoir été d'un autre pour cette seconde édition de DBS Matin de la semaine. Merci à toute l'équipe technique, merci à la direction générale, madame, messieurs. C'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Je ne cesserai d'ailleurs, je ne pourrais conclure sans dire merci à Solange Morel, à Erna Cunette Erna, et sans oublier bien sûr Pat Ikoum qui était avec nous tout au long de cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.